VOD. Retour sur Banishers. On vient de commencer une enquête facultative, une quête secondaire. Mais j'ai pas du tout d'idée de ce que c'est, si c'est vraiment, s'il va vraiment falloir blâmer ou pas quelqu'un à la fin. Bon, le chat de toute façon, lui, il est en tunnel vision, on blâme. J'ai l'impression que... l'impression que voilà, ça veut ressusciter la go. Moi, je suis un petit peu plus mitigée. Pour être tout à fait honnête. Mais du coup, là, il y avait... Attends, il y avait un truc qui disait qu'il y avait quelque chose, il se passait quelque chose. Ah oui, voilà. C'était imprégné. Voilà, c'est ça. C'était imprégné de fluide. Shame. Il y a encore des messages sur le mur. P-R-I-M-E ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Thomas Hake. C'est qui Thomas Hake ? On est censé savoir qui c'est ? You took her. Ok. Encore une histoire d'amour qui s'est mal passée. Donc un mari jaloux, un amant jaloux. Murder, ok. Bonne ambiance. Ouais. Ok, ok. Mais bon, d'abord on va voir. C'est un test fermé. Puis voir comment ça avance. Info genre... Ok, ok, bah ok. Bah peut-être tu peux... Peut-être en rejoignant un Discord, on peut s'inscrire pour un test fermé. Mais ce sera en sous NDA alors, ce sera chiant. Est-ce que je sais où je dois aller pour que je fasse ça? Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est pas tout de suite quoi. Même s'il y a le multi, ce sera fin d'année à tous les coups. Si les premiers tests sont faits au mois de mai, faudra pas attendre avant... avant genre la fin de l'été peut-être quoi. Red Rum. Quoi ça? Oh, j'ai entendu une bouteille. Tu peux boire? Bah alors? Bonjour à vous. Tu dois... C'est un peu tard. Oh, je m'en fiche. Je vais vous laisser. Possiblement septembre, si ça se passe bien. Ok. Ce serait cool, ce serait cool. Murder, on aime ça, ça veut dire qu'il y a des gens à blâmer. Non mais ok, je verrai. Bah ça c'est une bonne nouvelle. Les jeux de création, excusez-moi VOD, nous parlons de House Flipper qui aura peut-être un mode multi. Et ces jeux-là, ça manque cruellement de multi. Ah, ça s'arrête. Par contre ça s'arrête net ici. Ok, bon je vais voir, je continue à avancer. Donc ça me chauffe. Quand le jeu sera abandonné pour essayer de faire remonter la hype. Franchement ça peut marcher hein, mais moi sur tellement de jeux comme ça je voudrais qu'il y ait du multi sur des jeux où il y a de la création. De pouvoir juste s'amuser à créer un 2. Même des jeux de simulation un petit peu et tout ça, on s'était dit ça avec Dilo qu'on aimerait trop pouvoir avoir un parc à faire à deux, même si maintenant j'y joue plus, sur Planet Zoo par exemple. Ah, on entend taper. Attends, ça je fais ça en prio. Ah, je suis trop loin peut-être. Oh, il a beaucoup de vie. Non, je suis coincé. Je me suis coincé. Je peux pas voir ce qui se passe. Oh, je suis coincé dans une tombe. Oh fuck. Oh, c'est pas cool. Oh, c'est pas cool, c'est pas cool. Bon, je vais essayer. Ah, merci, il m'a débloqué. Ok. Je suis toujours là. Oui, bah, moi non. Hein, voilà. En plus, t'es pas toujours là du tout. Gros mytho. Putain, mais c'est quoi cette zone chiante pour se battre? Et en voilà d'autres. Pars-toi de la raide. J'essaie de me barrer de fou. Mais la zone est tellement à chier. Allez. J'ai raté. Faut que je oh, elle a plus d'énergie, fichier. Voilà les renforts. Dégage de là, dépêche. Pauvre Thomas. J'aurais dû me douter que son spectre resterait ici. En tout cas, il est parti maintenant. C'est qui Thomas? Activité terminée. Mais c'était qui Thomas? Nous jouons tous un rôle, mais le vôtre, bannisseur, est de loin le plus perfide. Ah ouais, prudent, c'est elle qu'on vient de tuer.
Rose Newsmith, donc c'est une autre qu'on a tuée. On a tous les gens qu'on a tués ici. Bon, ok, c'est ça que je voulais faire moi. Voilà. C'est le mari de Prudence. Ah, bah oui. Ok, je me rappelle plus. Non, arrêtez de dire des noms aléatoires. Pas être dans le couloir, mais je me suis trop coincée en plus. Déjà des maisons personnalisées pour Housekeeper, des maisons sur le workshop, c'est ça? Ouais, mais ça, moi, j'aime bien les faire moi-même. La coupure dans les dialogues, tu meurs. Le fantôme est vaincu. Ouais, c'est... Je pense qu'il est une aire de sûreté, oui. Bon. Bon. Et ben, peut-être aller sur ce petit point-là, puis on va avancer. C'est si pas. On en profite. On a enfin des pouvoirs un peu intéressants, on va en profiter et on... Après on ira se téléporter pour faire la suite de la quête principale. Pas faire tous les points d'interrogation non plus parce que de toute façon on a que je pourrais pas faire parce que ça va me dire oh il faut que chercheuse nous en dise plus machin. On sera chiant. Ah ouais, c'est ton rendez-vous demain qui te stresse, Sam. C'est un rendez-vous médical. T'en es où? T'as fait quoi comme mission que je devine qui t'a buté? On vient de faire une mission secondaire avec Prudence, la médecin. Des maisons à faire soi-même via mode création. Ouais. Ouais, télécharger à ta fée. Ça, c'est cool, ça. Moi, j'aime bien ça. Après, à voir si c'est agréable à faire. Mais on va tester ça demain. Pousse-toi, Red. C'est toi ou je dois toi, ouais? Allez, c'est toi ou je dois... Non, mais j'essaye. Bon, allez. Meuf, aide-moi. Merde, j'ai raté. Fais chier parce que là, ça m'aurait bien aidé. Oh, j'ai raté. Oh, je m'en veux de fou. Oh, j'ai raté, mais je fais que rater, comment ça se fait? Je vais jouer solo. Oh, ça a pas du tout marché. Je vais pas tenir à ce rythme-là. J'essaye, mais il va totalement crever. Bouge-toi, Red. Oui, bah 2 secondes en fait, celui-là il me harcèle. Je n'y peux rien. Mince, j'ai pas fait assez chargé. C'est terminé. Trop relou celui-là. Et j'aime vraiment pas, il est trop chiant à prévoir et vu qu'il disparaît, bah en fait tu tapes dans le vide la moitié du temps. Lui par contre il tape jamais dans le vide. Buté elle direct, c'est bon. Moi je voulais pas, le chat a fait a choisi à l'unanimité 7 votes hein, pour la buter. Je l'ai dit, moi je l'ai dit avant même de commencer le vote, mais j'ai dit moi je veux juste bannir l'autre là. Mais j'ai décidé de suivre le chat parce que en soi j'ai quand même envie de respecter mon serment, mais sans le vote du chat, c'était direct bannir le fantôme et pas la blâmer. Prudence, c'était la cuisinière. Ah ouais? Non, la médecin. Ah ouais, c'est la cuisinière, c'est pas la médecin. Ah oui, Evelyne, la médecin, pas Prudence. Moi, j'ai banni fiancé. Bah oui. Tu serais mort à 4 à 6 mois grand maximum, mais complètement c'est ça que je me disais. Ouais, je me suis trompée de nom, pardon. Evelyne la médecin.
Et oui, pas prudence. Ah maman, j'ai trouvé le truc. J'ai trouvé le truc et j'ai ça. Oh mais ça, je sais toujours pas quoi faire ça. Si ? Ah si ! Oh, on découvre un nouveau truc. Ça, on n'avait pas. Du coup, ça me donne un point peut-être de quelque chose. J'aime bien cet atout. Ah, je me sens revigoré soudainement. 10 points de vie. C'est bizarre. Je te l'avais dit. Ça augmente ma vie. Ok, trop cool. Oula, attendez, j'ai racheté trop de messages. Excusez-moi. J'avais dit la planète une fois. Turette, elle nous disait qu'elle savait pas quoi mettre comme récompense de points de chaîne en lui proposant un point de chaîne des gens. Elle a pu choisir quel enclos d'animal. T'as dit bon pour moi celui qui va m'obliger à faire un truc. Sur ce genre de jeu, je le banne. Ouais. Bah oui, enfin oui, je comprends. Mais après, ça a pas de rapport avec le multi. Nous, on a déjà dit qu'on voulait jouer en multi parce que c'est pas s'obliger à faire des trucs en multi. C'est chacun fait une partie des enclos et quand l'autre galère sur un truc, l'autre vient et l'aide. On a déjà joué en vocal ensemble à Planet Zoo. Ouais, Catholic, il veut blâmer tout le monde. Ouais, j'avais vu ça, Nadjeo. J'espère qu'ils ont corrigé un peu. 7 votes, ouais. 7 votes pour la tuer, 0 pour juste se bannir le méchant. C'est fou quand même. Peut-être des fous. Allez, on s'en va. C'est moi ou... Je l'ai senti aussi. T'as pas un voyage rapide encore ? Il y a quelque chose de caché. Ah oui. Quoi le chat ? Non, j'ai rien dit. Je vous poucave, c'est tout. J'ai rien choisi, moi. Ouais, bah si tu restes pour le prochain, tu pourras choisir aussi. Après, moi, disons que ça me sert d'avis consultatif. C'est vrai que là, vu que vraiment tout le monde était en mode « Bah non, on l'a tué », je me suis dit « Bon, bah c'est vrai que... » Après tout, tirer, oui. c'est mon serment qui veut ça. Mais sans le vote, clairement, j'étais... J'étais prête à... J'étais prête à la laisser totalement en vie. C'est terminé. Même s'il faut pas minimiser qu'elle a tué quelqu'un, disons que la raison fait que je vais pas trop de... Voilà. Je comprenais pas mal quoi. Ah, je vais mourir. Mais il est où l'autre? Ah, il est là-haut. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours en hauteur ceux-là. Ils sont trop chiants. Une borne de recharge. Ah, c'est plus... Non, parce que j'ai eu plus d'IPV, mais plus d'IPV définitif, je pense, en fait. Bah de toute façon je vais finir par te dépasser parce que moi je pense que je terminerai vu que toi tu m'as dit que t'as arrêté le jeu. Petit Sam. Il y a peut-être une clé. Il y a peut-être une clé. Je vais descendre le voir. Il est prêt à payer la fin. Ouais, bon, on verra. Hein. On verra. On verra les conséquences de ce qu'on fait. J'avoue que. Ah non, mais c'est derrière. Là, il y a un truc là-bas. Ouais, mais faut faire tout le tour comme ça. J'avoue que là, j'ai un peu la flemme. Je voudrais repartir sur la quête principale. Donc c'est ce que je vais faire. Et on verra plus tard pour les quelques autres points d'interrogation. J'ai un peu la flemme.
on alterne. Petite session, on fait du secondaire. Petite session, on fait quête principale, etc., etc. J'aurais promis son élévation, j'aurais tout le temps dit bannir ou élever en vrai. C'est vrai. Est-ce que t'aurais dit volontairement d'élever des fantômes cruels comme l'autre de tout à l'heure? C'est où mon truc? Là. Ok, on va se TP. Et on va passer à la suite de la quête principale. Tu peux aller par le visage, pas besoin de faire le tour. Ah bon? Bah là, pour celui-là, faut faire un grand tour. Hein. Perçu. Fait le tour. Allez, j'y vais. Allez, vas-y. Tu m'as convaincu. Vas-y, j'y vais. Ouais, d'accord. J'y vais. Vous m'avez convaincu. J'y vais. Sinon, j'étais en mode flemme. Hein. Je pense que vous l'aviez constaté. Vas-y, le chat, il me pousse à faire mes devoirs. Moi, je suis curieuse de l'histoire, moi. Moi, je veux qu'on fasse des choix moraux douteux de manière totalement arbitraire. Tu aurais une meilleure note. Je suis pas un petit homme, je suis une petite Lox. Je suis une grande Lox. Trop bien ce pouvoir quand je le charge. En arrivant, ça me facilite quelques fights quand même. Ouais, je peux tuer tout le monde en vous laissant le choix comme ça. Bah, c'est sur vous que repose ça. Ici à Sam. Pourquoi tu mets un lul? Qu'est-ce que c'est? Oui. Il y a quelque chose ici. Semble rien, oui, semble rien. Ça va être encore un vide poche cachée? Je peux voir jusqu'où je peux aller si on bute tout le petit personnel. C'est vrai qu'on a buté juste tous les gens qui avaient un rôle un peu important. Non, je suis pas la méchante du Cluedo. Bon, ça brille plus. On cachait où les trois cuirs? C'est exact, c'est tellement ça. Vite, faisons toute cette portion de la map pour essayer de trouver trois vieux cuirs cachés sous un truc... sous des tonnes de jus ectoplasmique là. Au travail, bannisseur. Oh, à tous les coups, c'est là-haut. Ah oui, c'est là-haut. Bah, je ferai ça plus tard. Ouais, écoute, c'est mon interprétation. Il y a quelque chose de caché. On verra. Maintenant les petits trucs cachés, vu le peu que ça nous rapporte, je me fais pas. Ah, moi je suis du mauvais côté. Oh merde, je suis du mauvais côté parce que je suis nulle. Je suis du mauvais côté parce que je suis trop nulle. Pardon, j'ai bouquiné ça. Marche, hémoglobine, des bisous. Je l'ai senti aussi. Oui, je pense aussi que c'est en hauteur, ouais. C'est bon si je vais par là? Faut que j'aille à ma gauche.
semblerait que ce soit ça. Il y a déjà un petit coffre, on prend. Ouais, je comprends, Féline. Je comprends, et puis les combats sont assez redondants. Ils sont pas... même si bon, c'est un peu sympa les affrontements des boss, mais le point fort du jeu, c'est quand même plus ses choix et la direction va prendre ta propre histoire. Et je pense que voilà, ils en sont parfaitement conscients et c'est pour ça qu'ils ont fait un mode histoire où je pense qu'il n'y a pas les combats. D'ailleurs, à la fin de ce live, il faudra que je rate quelqu'un qui est sur le jeu. Comme ça, je pourrais voir si je peux vous choper une clé. Voilà, faut que j'y pense. Parce que sinon, je vais avoir tendance à rate quelqu'un d'autre. Et du coup... je pourrais pas gagner la clé. Voilà. Bon. Non mais non, c'était la bonne direction. Mais je suis stupide, excusez-moi, j'ai du mal à... Excusez-moi. Ah, c'est pas... les trois ennemis avec une seule manifestation explosion. Ok, trop cool. Bah ouais, ça allait où est-ce quand j'arrive à tout charger. Alors ça c'est fait, mais sauf que je peux pas monter là. Bah oui, je suis dans la sauce. Je suis le point d'interrogation, ouais, ok. Il me dit d'aller genre par là. Et après il me dit d'aller par là. C'est peut-être ça. Et après il me dit d'aller par là. Ah, t'as peut-être pas tort. Mais c'est ça qui me perturbait, c'est que... C'est pour ça que je prenais la mauvaise direction, enfin ce qui me semblait être la mauvaise direction. C'est parce que j'allais toujours à l'opposé sur la carte du point d'interrogation. Mais je le suivais sur ma boussole. Qu'est-ce qui rôde ici? Au travail, bannisseur. Ça me fout, ça me fout. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Merci. Je vais le mettre en non-lu. De toute façon, j'ai des messages à voir après. Ah, par là. Ça a l'air d'être ça. Après, faut monter peut-être bien, j'imagine. J'avais pas vu. Barre-toi de la raid. Oui, j'essaye. Tiens, goûte-moi ça. Goûte-moi ça. C'est quoi ici? Oh, un coffre. T'avais bien spoté, hein. Il nous fait effectivement bien passer par la maison. Ah bah voilà, c'était ça. C'est
c'était ça qu'on voyait depuis tout à l'heure. C'était bien déplacement rapide. Enfin, en déplacement, quoi. Un pisseau du braconnier et un truc comme ça. Un esprit malveillant plane ici, comme celui qu'on a trouvé plus tôt. Une malédiction ou un sort. Peut-être que chercheuse pourra nous aider. Et un de plus. Bon bah je vais arrêter sur les points d'interrogation tant qu'on n'a pas chercheuse qui nous aura dit, qui nous en aura dit plus. Hein. Ça m'emmerde. J'ai mis ? Oui c'est bon. The Deeper. On va devenir indispensable. Ouais, bah la quête principale, elle va m'emmener vers elle. De ce que j'ai pu constater, vu qu'on se dirige vers un point où y a... où c'est chercheuse, là-bas, où il y a une quête avec chercheuse, donc... bon, on va arrêter de courir après les points d'interrogation tant qu'on n'a pas trouvé chercheuse, hein. Oh, ça lui a pas fait grand chose, ça. Ouais, parce que c'est plus lui qui leur fait mal. Non. Je fais Y pour loot. Ah oui, je peux aller là, ok. Oh là là, petite pierre de foyer là, ça serait bien. The Deeper. C'est quoi ça? C'est du loot ça? C'est trois cuirs ça? Quelle question? Qu'est-ce que tu veux que ça soit de Outlox en vrai? Réfléchis un peu. C'est une forêt à cuire. Bon, bah quête principale. J'avais un peu hâte de la continuer alors, c'est cool. Mais bon, ça me fait chier d'avoir fait tout ça pour rien. Ça peut être du surfing. Ouais. Quelle variété de récompenses. Les possibilités sont inouïes. Et où ma maison? Elle est là-haut? Je sais plus, je suis passée à côté je crois. Voilà, elle est là-bas. Oui, j'aurais pu monter, oui. Si c'est vous les cœurs, pack. Ok. Petit repos, parce qu'il le faut. Ça brillait! Oui, parce qu'il fallait, parce que je pense que petite cinématique, ouais. Pas du tout, je pense trop mal. Je pense trop mal en fait. Je crois que je pense trop mal. Explosion. C'est bien les explosions. Je fais un truc. Élimine un ennemi avec la manifestation explosion, déclenche une zone d'effet infligeant des dégâts spectraux. Bah je vais totalement faire ça parce que j'utilise tout le temps. Je pense que... Alors ça aussi j'utilise. Dégâts de manifestation du bon, ça je l'utilise aussi, mais l'explosion je vais essayer de... 25% des dégâts d'enterrement et 25% des dégâts subis par enterrement. Non je prends ça. C'est bien ça. Et ensuite, ça en rapport avec l'explosion toujours ou pas? Passer à Antea juste après une parade, j'en fais pas. C'est chiant. Tir de fusil réussir recharge la jauge de bannissement de 15%. Tir de fusil sur les points faibles, recharge la jauge de bannissement de 30%. Ok, pourquoi pas. Plus la jauge
2 points de vie de l'ennemi remplis plus des gaz bannis pour s'augmenter. Explosion bannissante, c'est bien. Éliminer un ennemi au fusil, réduit 90%. Prochain dégâts subis, c'est bien ça. Je prends ça pour le moment. On peut respecter très facilement, donc je me prends pas trop la tête, je teste. Si y a un truc que j'aime pas, je change. Voyage rapide, hein. Voilà, je l'avais marqué mais pas fait. Oh, oh l'écran est stylé. J'aimais bien. Bah plein de trucs à faire ici. Qu'il faut qu'on explore. Ah oh oui, c'était là. Oui, on voit encore plein de points d'interrogation. Oui, bah hein. Ah putain. Pas tout de suite, pas tout de suite. Avançons un peu dans la quête principale pour avoir toutes les tous les outils en main. Sinon, on perd du temps. On perd du temps. Et c'est... C'est possiblement des trucs qu'on va découvrir où on pourra rien faire. Donc, take our time. Rechercheuse à chaque fois, mais oui. Là, si j'en crois sur la route, je vais évidemment essayer d'y aller. Drôle d'endroit pour une palissade. Terrain ferme, accès marécageux, comme à Bannockburn. 1314, quand les Écossais ont vaincu les Anglais. Vous avez gagné la bataille, mais qui a gagné la guerre? Je sais pas. Elle n'est pas encore terminée. C'était une question d'information. M'enfant. Beaucoup de points d'interrogation. On va peut-être tester celui-là. Il est plus ou moins sur la route. Si on n'a pas vraiment de route, faut qu'on explore. Oui, explosion, t'inquiète, je gère. Fais ton nouveau truc, maintenant. Ah, putain, pardon, pardon, je déconne, monsieur. Excusez-moi. Voilà, là, c'est mieux. Ça, c'est un talent que j'aimerais bien avoir. Pour ça, il faudrait d'abord que tu meurs. Fais ton nouveau truc, bah oui, je suis censée l'avoir appris juste maintenant. Enfin, dans cette zone-là, du coup, bah, c'est scripté pour qu'ils disent ça, à cet endroit-là. Sauf que ça fait depuis 2 heures, nous, qu'on l'utilise déjà, l'explosion. Donc c'est mignon. C'est mignon. Tu ne devrais pas rester là. Joker. C'est quoi ça du coup? Ah, c'est encore un truc à... Un rituel à faire. Il va falloir purger ce nid de spectres. Oui, ça va. Graphiquement, il est bien le jeu. Ça va, on est bien dedans, c'est joli, c'est pas trop gourmand non plus, donc ça va. Et ben là, lequel? À votre avis? Manifestation forcée. 3. Spectre, je dirais. Parce que 3 c'est fléau. 1 c'est écho. C'est laissé par un fantôme. Deux, ok. Vous dites tous les deux. Allez, Gavamaka Sanales. J'attends. Bien joué. Bien joué, bien joué. Comment vous avez su que c'est Spectre? Elle a dit, j'ai peut-être pas fait gaffe, c'est ça? Un spectre se dirige vers ce cadavre. Un spectre est mort. Allez, j'essaye de faire... Thank you.
Il est fort lui hein. Il esquive mes coups de feu. Ok, lui faut le taper sûrement. Pas dingue. Pas dingus, pas dingus. Ah! Ok, tu sais comment je comprends. Comme quoi, hein. Faut vraiment augmenter ses points et tout ça. Non, il me fait mal, Ça lui a rien fait. Ok. Attention, une possession spectrale. Recule. J'arrive pas à viser l'autre. C'est mort. Non, c'est mort. Fuck, non, il va reprendre plein de vie. Oh no. No. Oh non. Ah ouais, il a repris toute sa vie. Ça dégoûte. Je suis au fond là. Recule. Oh, je vise mal en plus. Non, mais c'est lui que je veux viser. Voilà. Laisse-moi faire. Ok, elle se fait démonter, j'arrive pas du tout. Non mais il vise plus. C'est trop mou. Rentre-lui dedans. Mais ça ferme. Laisse-moi tranquille. Oh punaise, c'est lui dedans. Oh, quelle horreur. Mais ça va être trop long. Mais c'est horrible comme combat, c'est interminable. Toi, elle crève. Je veux le tuer, lui. Ah, voilà. Cadeau. Je peux le viser, s'il te plaît? Oui, voilà. Oh là là, je vis à la manette, hein.
Donc pour les combats, au cac, c'est quand même beaucoup plus agréable. Laisse-moi t'aider. Tu crois faire le poids face à un fantôme ? Je fais ça tout le temps, chérie, en fait. Ça va, hein ? Ça, je suis tiré dans la compliqué. Jambe. Non, 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 vite. Non, j'ai pas de niveau, en fait, hein. Non mais regardez, mais jamais j'y arrive, what the fuck. What is the fuck. Non, 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 stop. Ok. J'ai plus de popo. Hein. Faut que je les tue avant qu'ils se réincarnent. C'est quoi ça sur moi? Quoi c'est sur moi? Je suis maudit? Mais y'a quelqu'un au loin. Je suis en trop chiant. Attention. Je suis coincé. Oh il est super fort. En fait je suis pas... Eh, c'est trop tôt pour la zone hein. Une possession spectrale. Jamais j'y arrive, hein. Je crois que c'est trop tôt. Je crois que je suis dans une zone en fait où je peux pas. Ok. Bah va falloir attendre avant de faire ça en fait. Tout simplement. Ah oui, c'est le skill que j'ai pris, ouais. Bon, n'empêche que c'est quand même trop level là pour le moment. D'accord. Bon bah au moins, c'est ce que c'est que ce point-là. Et du coup, faut que je fasse quoi en prio, là? Voilà, celui-là. Il y a quelque chose dans le coin. Mais où exactement? On va tirer dessus? Je sais plus. Qu'est-ce qui rôde ici? Au travail, bannisseur. Tu de ma tête encore? Non, ça va. Bah c'est quoi? Est-ce que c'est le truc justement qu'on a fait juste avant? Immense le jeu. Bah c'est... Je sais pas si... Tu vois, je suis pas du tout sûre que tout ça se sera utilisé par exemple. Je ne sais pas, peut-être en vrai. Hein. Peut-être. Mais là je brûle un peu les étapes, je pense. C'est juste que bah du coup je sais pas quelle quête il faut que je fasse en trio quoi. Tout simplement. N'arrête pas de me dire qu'il faut que je vois chercheuse alors j'ai envie de la trouver. Sauf que bah... Je suis dans des zones trop élevées. Quel pourcent de la droite de la map? Alors oui, mais de la zone en fait. C'est le pourcentage... Ah non, la progression du monde. Non, j'ai rien dit, je suis à 10% du monde. Ah oui, d'accord, j'ai rien dit. Oui, non, mais effectivement. Effectivement, il est grand. Le brouillard, la boue et la misère. Ça me rappelle la Hongrie en 86. Pas la meilleure période de la chrétienté, ni la mienne. Tu étais différent à l'époque. Vraiment? Ah non, faut que j'aille par là, ok. Et où ensuite? Ah, ok. Oh, chiant.
Génial. C'est pas fini. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un... Bon, au moins, je leur fais mal. Les morts sont agités et en colère. Quelque chose les entrave. Quelque chose de cruel. Mais comme partout, hein. Enfin, je veux dire, ici, tous les morts ont l'air d'être super vénères, quand même. Rappelle-moi de jamais t'énerver. C'est l'œuvre d'une sorcière. Ça peut être chercheuse. Oh. Je n'en suis pas certaine. Please. Faisons attention. Faut que je la trouve. Ah, un gros brouillard. Ah bah ça va être sympa. Ah, saloperie de brume. On n'y voit rien. Il y a quelque chose qui cloche. Le voile est fin ici. Et les morts nombreux. Ok, va falloir que je trouve la source. Tu n'aimes pas les corbeaux? Rien que des charognards ailés. Ils n'apportent que le désespoir. Peut-être qu'ils se contentent de le suivre. Ouais, on t'a voit dans le brouillard, ouais. Tu veux bien utiliser ta vision surnaturelle pendant que je suis aveuglé par cette purée de pois? Ah, c'est ici. J'espère que je pourrai le faire parce que là, ça craint un peu. Ah, saloperie de brume. On n'y voit rien. Ah, faut que je mette du bon côté, c'est vrai. Alors, c'est là le bon côté? Non? Bah je sais pas. Pas ça la source? Ah faut peut-être que je fasse ça. Pas du tout. Rien à voir. Bon bah non c'est pas ça la source alors. On dirait quand même hein. D'abord lever la brume. Ah je pensais que c'était ça qui levait la brume moi. Oh ça il m'en fallait. Je les ai reconnus. Alors faut que je lève la brume. Ça a l'air d'être là. Ah oui t'as raison. Faut lever la brume puis faire ça. Ouais ouais. Il faut pas un centimètre. Oui, c'est assez. Tu vois, quand il y a de la brume, ils se foutent pas de la gueule de la brume, quoi. Je fous, je le défonce. Oh là, il est pas mort. Pas déconner, là. Sans champi, je pensais que c'était une note accrochée qui expliquait des trucs que dalle. Ok, et du coup ça faut le faire. J'ai... ouais. Save avant peut-être. Je suis pas très sereine là. Le level est quand même... a quand même pris un petit boost ici. Ce serait le bon moment de prononcer quelques mots de pouvoir, juste pour être sûr. Quelques mots de pouvoir. Alors ça c'est soit le premier, soit le dernier. Pas le deuxième. Pas le premier. Quelques mots de pouvoir. Alors on tente le 2. Prenez forme. Maintenant. Ok. Quand on va être comme ça, c'est 2. Ah, ok.
Ça. Je peux pas faire les changements parfaits, il me tape à chaque fois au milieu. Je peux t'aider. C'est vrai. J'ai eu ou pas? Normalement oui, mais difficile à dire. Seul, hein. Je peux me débrouiller tout seul. En fait, l'arme ça marche bien si je vise bien la tête et que j'attends qu'il me tape. Bon, c'est bon, il est décédé. Ah, mais maintenant il y a lui. Nice. Oh, j'ai raté. Est-ce que ça sert de le charger ou pas? Probablement que oui. Ce cri. À moi. Bon bah d'accord. Apparemment j'ai pas le choix. Ça commence à être con. Je suis prête quand tu veux. Non, relâche ça. C'est dur, hein. Ouais, ils ont beaucoup de PV et du coup, bah, rien qu'à deux, je galère déjà beaucoup, quoi. Bon, bah, ça, en fait, j'imagine que si, faut que je tire ou que je pousse, je ne sais quoi. C'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Maintenant, t'as de plus gros attributs, oui. Merci, Fedi. J'ai pas eu un loot? Non, j'ai juste eu ça. Il n'y a pas de loot, hein. Non, hein. Bah, c'est super. J'ai vraiment trouvé un endroit où me reposer. Ce nouveau talent que tu as, ça fait quoi de l'utiliser? C'est difficile. Oh non. C'est comme une montée de colère, une vague de frustration concentrée. Ah, ça va. Ah, ça va, j'ai tout récupéré parce que j'ai eu des attributs plus gros. Allez. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien, ça. Je peux participer aussi? Ah, bah, tu faisais que participer, là. T'as participé de fou? Thank you.
qui a juste combattu pour souffrir, du coup, bah ça me donne, ça m'augmente mes stats de les tuer. Un esprit malveillant plane ici, comme celui qu'on a trouvé plus tôt. Ok. Une malédiction ou un sort. Trouve un truc. Bah oui, voilà, comme d'hab, tout que j'ai cherché. Et il faut que je la trouve, cette chercheuse, j'en peux plus. Hein. Nous cherchons chercheuse, à la recherche de chercheuse. Au moins, j'ai découvert un peu la carte. Hein. Parce que chercheuse, elle est loin. Hein. Elle est loin. Ça aussi. Ah, ça, c'est le truc infini, c'est autre chose. Est-ce que j'ai une quête principale ? Pas vraiment. Oui, voilà, ouais, bon. Tu vas peupler mes chercheuses au moins. Ça dépend, tu vois. Ils ont vu comment je galère à la retrouver. Intérêt à avoir une bonne excuse. Hein. Parce qu'une âme de sortir, ça peut être pas mal. En plus. Ça. De quoi encore ? Un truc en dessous à tous les coups. Un truc en dessous à tous les coups. Pas si on tente. Voilà. Mais en fait, j'ai l'impression de faire les choses pas dans l'ordre. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Je comprends pas tout. Oh, super, je loot un chapeau. Non, même pas quelque chose tout. Par ici. Ok, c'est ouais, caché. Non, mais c'est... faut que je passe. Ok, ok. Bah, on y va. Il n'y a plus le bras bleu. Il y a quelque chose de caché. Ah là. Allez voir. Des flèches. Des tribus locales. Ce que les envahisseurs en ont laissé. Des flèches. Ah. Des tribus locales. Ce que les envahisseurs en ont laissé. Je voulais la looter, moi, la flèche. Cette porte. Non, impossible de la casser. Dans ce cas, trouvons autre chose. C'est de moins en moins visible. De fou, hein ? Punaise ! Oh, ils ont bu. Oh, ils ont bu, je crois. Bon, elle a dit qu'elle pouvait pas la casser. Donc ça sert à rien de tenter. Elle a dit trouvons autre chose. On va trouver autre chose. Et l'autre chose c'est aller là-bas. Et faire ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite ici, bah évidemment je peux pas monter. On connaît. Donc... ah, je peux peut-être casser ça. Ouais. Hey, je l'ai vu, hein. Bravo, Love, c'était trop fort. C'était pas obvious, obvious. Merci, oh, hein, merci. Oh, c'est trop mignon, en vrai. J'ai Et je bats pas des boss, mais je trouve des... Quelqu'un a laissé un feu de camp à disposition. Oui, un feu de camp, ça c'est bien ça. Pas sur ma tête, c'est sur ma tête. Quelqu'un il fait des émeutes sur ma tête.
Non. Non, il bug en plus. Oh non. J'essaie de refaire sa tête. Infernal loup. Ah non, c'est Féline. D'habitude, c'est Infernal loup. Tu es sa conscience maintenant. Attends, allez. Je suis là. Bon, on améliore. Allez. Faut qu'on avance là, on avance pas en fait. Enfin on avance dans la map, on avance pas dans le jeu. J'avais un autre truc à améliorer. Oh le fusil, je peux l'améliorer, comment c'est trop bien ça, genre du fond en priorité. Oh oui, il faut vraiment que je le fasse. Très très important. C'est ta faute Féline. Féline, elle m'a caché. Elle m'a banni. Dodo, y a-t-il besoin? Oui, parce que je crois qu'ils sont pas fous, donc je fais dodo. Nouveau streamer à la place de Lux. Waouh! Aïe aïe aïe, fédéraille, espèce de canaille! Si tu libères, Didi, y'aura pas de représailles! Oh! Cinématique? Non, je pense pas. Bon, on a un point de TP. C'est bien. Voilà. C'est bien. La porte est bloquée de l'autre côté. Tu peux trouver comment contourner la porte verrouillée? Bah j'y travaille, bébou. Et tout? Mieux. Si c'est, ça faut tirer? Peut-être pas beaucoup de respect. Ça se casse pas ça. Oh, ça m'ennuie. Quoi? Et en voilà d'autres. T'es dans sa ligne de mire, Red. Qui ça, ligne de mire? Ah, oh, Red. Trop chiant. J'ai l'impression d'être une cible un peu trop facile. Non mais je vais l'achever, lui, quand même. La fête continue. Ah, j'y arrive pas. Allez, reprends-toi. Oh non. Ok. Je ravis trop mal. Tu fais plus mal quand même. Bon. Mais y'a pas de serrure. Y'a pas de serrure, y'a juste plein de trucs qui gênent. Oh. Mais ça c'est encore un truc où je peux pas interagir avec, si. C'est encore un truc où ouais, Jesus pourra nous aider. Ni, ni, ni. Ah, je bien compris que c'était ça partout en fait. La progression du jeu est mal fichue.
J'ai un truc ici. Ouais. Ah c'est vrai, on met des trous partout, c'est vrai. Non mais même en vrai là, hein, il passe deux fois le gars. Hein. Il fait un petit effort là. Il est pas souple. Non c'est bon, ok. Soldat. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Hein. Chasseuse, t'as intérêt à nous aider. Tu vois, on galère. On n'avance pas. Ennui droit devant. J'adore faire ça. Je sens la malédiction ou le malédiction sort qu'on a déjà trouvé. Une malédiction ou un sort. Chasseuse pourra nous aider. Chercheuse pourra nous aider. Chercheuse, dis chercheuse tout le temps. Je suis contrarié, ok. Oh, tu sais pas ça. Merde, c'est chercheuse. La oh, c'est là. Je prendrai sa tête. Je vais t'aider. Et je bois. Je sais pas comment. Son sang. Arrête. Viens. Je vais t'aider. Dégage! Oh. Comment elle l'a Théo? 600 secondes là, facile. Alain, ça galère? Ah, la bannisseuse qui est morte pour son apprenti. Ah, l'apprenti de la sorcière. Salut, Antea. Ils se connaissent? J'ai beaucoup entendu parler de toi. Moi aussi. Oh. Je suis désolée. À mon retour, Ciridiane m'a dit que notre pauvre petit bannisseur reviendrait hanté. Petit titi perle, bon toto, merci. Un bannisseur hanté. C'est plutôt cocasse, non? Pour la soirée de ban et exploration. On n'a pas tant banni, finalement. Hein. On explore, on fait ce qu'on peut. Merci beaucoup. C'est très mignon. Merci pour ton message. C'est quoi cette chose? C'était quoi cette chose que tu as combattue? What is this chose? Cette chose? Oh, lui. Une vraie plaie, voilà oui, ce qu'il est. Oui, mon ex et tout. Et tu es gravement blessé? C'est pas la première fois que je l'affronte. Quelques minutes de calme et je serai de nouveau sur pied. Ok. Bon, on peut t'aider? Ça ne va pas fort, on dirait. On peut t'aider? Oui, merci de demander. Certains de mes chasse-esprits se sont éteints. Mais quoi? À la Rolso, la franchi l'ourlet. L'ourlet? C'est quoi? Oui, là où le tissu du monde des vivants rencontre celui des morts. Tiens, non pas ouf pour un truc aussi épique. Le voile entre le visible et l'invisible. La franchi si mon ourlet. Si tu préfères, bannisseuse. Repose-toi et soigne-toi. Dis-nous comment réparer les chasse-esprits. Le sort a déjà été lancé. Il suffit de les allumer. Faites attention. Cette vieille tête de mousse n'a pas pu aller bien loin. Je vais me reposer un peu. Bonne chance et amusez-vous bien. Du coup, je vais faire quoi? Allumer les chasse-esprits. Du coin seulement. À d'autres endroits. Oh, du loot. Ouais. Du cuir. Ou de la laine. En vrai, il y a du loot partout, je prends. C'est quoi la suite? On allume les chasse-esprits avec une pierre à feu. Enfin, j'imagine. Mais ils sont où? Ah d'accord, c'est les petits points sur la map. Ok. Ouais, je vais faire ça de fou même. C'est imminent là, je vais de fou chasse-esprier. Yabadabadou quoi. On a tous une ref incroyable quand même. Soyez-en conscients. Ok, ils sont des pirates. Rien d'utile. Les reliques d'une colonie disparue depuis longtemps, j'imagine. T'as vu, c'est tout pourri. Rien d'utile. Ah, les reliques d'une colonie disparue depuis longtemps, j'imagine. Et ouais, nous ne faisons qu'un, comme dans le Roi Lion.
sont où les chasse-esprits? J'imagine que c'est ça, les chasse-esprits, il faut les allumer. Bon. Est-ce qu'il y en aurait pas un par genre par là-bas? Oh oui, non mais c'est loin en fait. Ne vous mêlez pas de ça. Je me mêle de ce jeu. Famine. Je crois que j'ai entendu le bruit d'un fusil qu'on arme. Alors, moi j'ai entendu des bruits mais rien à voir. Là c'est mon fusil que j'ai en moi. Ok, bon. Ah c'est pas grave. T'es dans sa ligne de mire. Non mais vraiment? J'ai plus qu'un coup à mettre. Je commence un petit peu à chouiner là. Je peux pas l'avoir. Faut que j'esquive. Mais comment je monte? Rat. Pas marrant. Je suis prêt pour cible. Bah y a que toi. Évidemment t'es prêt pour cible. Enfin, comme si ça marchait autrement mec. Bon enfin. C'est un de... Tu es seul contre les mobs. Évidemment que t'es prêt pour cible. Il est mignon là. Ouais, je suis protégé. Le temps là. Est de mon côté. Le premier chasse-esprit. J'ai pas compris le concept, j'ai l'impression que j'ai... On tape. Ah, partez ou je vous dévorerai. Non mais c'est quoi cette menace de... Cette menace de... De conte de fées là. Cette menace de petit chaperon rouge, partez ou je vais vous manger. Miam miam miam, j'ai des grosses dents. Je veux dire, tu es un fantôme. Ça te fait pas peur. Pour certaines personnes bizarres, ça peut même être un peu excitant ce que tu dis là. Hein? Pas moi, je suis totalement saine d'esprit. Bon, suite. Hein. 50. Ah bah voilà, on va aller par là. C'est bien par là. Oh non, faut que je monte. Du coup, faut que j'aille. J'ai aucune idée. La dégaine en chef et saine d'esprit. Avec... Écoutez, on ne s'est pas concerté pour ce surnom, d'accord? Du loot, c'est super. Je peux avancer maintenant? Ah par là. Oui, je le vois là-haut. Toi, je te tue toi. Toi, je te tue le cadavre là. Ouais, des pièces de Wii. On va pouvoir s'acheter un petit pain au raisin. Et un lait-fraise pour digérer. Je... Par là. Pas c'est encore là, vous. Quelque chose de caché. Quelque chose de caché. Ça va. Cette mort, 5 blessés, la victoire a coûté cher. Nous sommes faibles et manquons de provisions. Sans ravitaillement, nous sommes perdus. 7 novembre, un mort, 5 blessés, 3 mourants. Rien à voir avec la streameuse. Nous sommes malades. Un mal mystérieux frappe fort. Les hommes sont fiévreux et couverts de furons. Nous pourrissons en même temps que cette terre. 9 novembre, le fort est perdu. Nous devons battre en retraite. Nous allons rallier la côte, puis New Eden. 22 novembre, c'est étrange d'être seul, entouré par les morts. Ça, la musique, elle est forte pour moi. Peut-être baisser un peu. C'est étrange d'être seul entouré par les morts et le fort en ruine. Mes symptômes sont apparus il y a 2 jours. Je suis trop faible pour marcher. La terre pourrit avec nous. Et nous avec elle. Nous nous sommes en paix. Le silence est magnifique. Et ça, ça dégage. Ouais. Je pourrais dégager le chemin. Oh, mais ça, c'était pas ça.
Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'était pas ça. Ah, ça va pas marcher. Mais qui suis-je fou maintenant, moi? Oui, la gestion du son est étrange. C'est vrai qu'on l'avait déjà constaté, ouais. Ouais, 100 balles dans des phases tout chill et du coup, bah tu t'entends plus que ça. Ah, faut que je monte là. C'est bon, j'ai vu. Lui mort, si blessé. Super. Mais c'est pas ici que je dois allumer un truc ou je sais quoi? Ah, 16-15, c'est juste là. Wow. Dégage-toi! Je l'ai tapé! Non mais c'est bon! Oh, sa race maudite, hein. Vite, sors de là! Je sors de fou, là. Je vais faire 18 pas chassés, mais j'ai réussi. Tiens, prends-toi ça! Éclata! Non, j'ai raté! C'est qui? Arrête! C'est chiant! Oh, le gamin! Ouais, lui, c'est. Faut vraiment que je le tue comme ça. Là, encore un. Je boirai dans ton crâne! Allez, plus qu'un. Ça t'a tellement coupé le sifflex! Viens, on gagne, bordel. Où ça? 38 mètres? Vous serez les prochains! Ce tombeau sera votre tombeau! Jésus le méchant! Et pas très tôt. Ouais, pas très tôt dans le trash talk. Je suis assez d'accord, ouais. C'est. C'est du trash talk. Allez, 10 ans à peu près, le fantôme. Ah, on dit des chacos. C'est à côté. Il y en a un juste là, je crois, non? Non, je vois pas. Oui, voilà, juste là. Du coup, faut que j'y aille, mais. Ah bah non, mais là! Il était en face de moi, oh là là! Oh là là! Je vous aurai! Mais oui, tu nous auras, mais ça oui! Ça devrait suffire. Voilà! C'est super! C'est facile, la sorcellerie, en fait. Pas de quoi en faire tout un plat. Et si je fais les autres, c'est ton bien, ami, non? La sorcière serait sûrement d'accord. Je vais me contenter de lui dire qu'on a fini. La marche infernale où? Quelle mouche a bien pu lui piquer le cul pour qu'il soit autant énervé? Une bataille perdue. Quelle mouche a bien pu lui piquer le cul? C'est marrant parce que je ne dis pas ça, tu sais. Ça, par contre. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Des bisous, petit infernal, ou bonne nuit. Est-ce que je peux faire les autres? Ah non, non, elle me demande pas de faire les autres. Ok, bah là, faut que j'aille là. Et ben, c'est qui part? On y va. J'ai vu un truc bleu là-haut. Je viens par là, hein. De toute façon, j'ai pas trop... Faut que je sorte du camp ou que j'aille à l'entrée, quoi. J'espère qu'elle débloque les trucs violets. Ouais, ce serait bien. Ou comment ça lance la quête pour débloquer ça? Parce que là, elle a pas encore parlé de malédiction. Peut-être qu'elle va en parler. Peut-être que du coup... Chercheuse a disparu. Ça lui arrive. Oh. Elle est là-bas. Ouais, non. Franchement, vas-y, dis-nous des trucs avant. Fais-nous avancer, please. C'est moi ou tu parlais à un corbeau il y a un instant? Oui et non. Oh, c'est joli derrière. Bon, en ruine et complètement mort, mais un peu joli. Tout le monde est prêt? Bien.
Elle vous attend. Oh, on va aller voir sa chef. Enfin, sa maîtresse. Où est-ce qu'on va? Voir ta maîtresse. Où est-ce qu'on va? Céridiale, je ne parle oui. que de trois quarts. En bateau. Ça va être amusant. Non. Oui. Nous allons à New Eden. L'emprise du cauchemar sur le monde est trop forte. Non mais allons-y, c'est pas relou. Vous ne pouvez pas pénétrer sa forteresse. J'ai besoin de débloquer des trucs, allez-y. Pas encore. C'est joli les ruines. Aide. J'aime bien aussi ce genre de décor. On seul jusqu'à présent. Sur Planezo, je pense que j'ai plein de décors en ruines. Peut-être que vous vous en sortez moins bien que vous le pensez. Avec la nature et tout, c'est brutal, des trucs un peu inondés. J'aime bien. On parlera à Céridiale avant de continuer. Je préfère ça. Suivez-moi. Attention, ne nous fais pas chavirer. Sauf nos cœurs. Est-ce que c'est loin? Ça dépend de ce que loin signifie. Ne vous en faites pas, vous ne craignez rien. Ah bon? Les marais abritent Mais de oui, nombreux Sam. Esprits agités. Mais ma maîtresse sait les réduire au silence. Mais bon, t'es tendu. T'es ici. Oh, il lui a tendu ça d'une manière tellement dédaigneuse. Le spectre que tu as affronté ressemblait à un moissonneur. Ah, les bannisseurs. Il risque de revenir. Et moi aussi. Niveau 12. Le voile semble plus fin aussi. Depuis et toujours. Terminé par 12. On nomme ce lieu les marais bourbeux. Mais les tribus voisines l'appellent la bouche malade. Tu tombes malade en t'y attardant. Est-ce pour ça que les repoussoirs de Céridiale s'épuisent plus vite que la normale? Ça, c'est parce qu'elle est mourante. Oh, désolée. La vie est un voyage. La mort un n'est peu cool. Étape. Ah, je peux juste parler? Bah, parlons. Ça me rappelle une petite balade sur le Ehrengrat. Il ne manque que la grêle et le glouton à nos trousses. Vous avez 2600 nouveaux messages. On s'est archivé. Tu parles d'une folle escapade? Oh, qu'est-ce que c'est? Quel foutoir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les hommes. La guerre. Je sais pas qui c'est ça. Ce All Soul. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Il veut des affaires. Le sang. La tête de Céridiale sur un plateau. Ils se connaissaient sûrement. Je voulais faire une référence à Better Call Saul, mais j'ai dû trop chercher mes mots, ça m'a saoulé. Les bannisseurs sont d'une telle importance. Je me punis. C'est le problème de Céridiale. Mieux vaut ne pas s'en mêler. D'accord. Je profite pour bailler un max. Mais t'as rien dire du coup. De spectres. Exactement. Les spectres sont attirés par vous deux. Comme des papillons par la lumière. Pourquoi nous? Aucune idée. On dirait que quelque chose de puissant s'intéresse à vous. Ok, Prime, des gros bisous. Mon dodo. Bienvenue sur l'île de Céridiale. Il y a une puissance extraordinaire ici. Ah ouais. Oh, tu as remarqué? Comme je le disais, bienvenue sur l'île de Céridiale. Welcome. To Céridiale's land. Céridiale, j'ai oublié le nom. Dis, Céridiale. Elle est chez elle. Elle vous attend. Suivez le chemin jusqu'à un étang noir à proximité d'anciennes ruines. Vu que tu viens nous chercher, c'est que bon, elle savait un peu qu'on allait arriver. Je vous retrouverai là-bas. Oui, d'accord.
Comment elle fait ça? Il y a un truc, non? Elle peut se taper. Si seulement il n'y avait que ça. Cette fille a un vrai don. Bah c'est une sorcière quoi. Hein. On connaît hein. On est des bannisseurs, ça va. Hein. Ok. Ah mais ça, c'est les portos. Qu'est-ce que c'est? Pas comme Aurel, mais c'est des TP. 3. Tu te souviens du marais de Wisbeach? C'est là où on peut se TP. Mais je refuse de toucher ce truc avec un bâton. Mais c'est un point de TP, c'est tout. J'ai compris, moi. Don Quichotte. Elle a un don qui choque. Même. Eh. Contre Kems de jeu de mots. C'est quoi en bas? Oh, il y a du loot. C'est quoi ça hein? Oh, on va faire un truc. Ouais, je savais. Donc il choque. Toi. Toi t'es mort. Ici c'est. Je crois qu'il faudrait que... Je ne parviens pas à saisir le tissu spectral. Ouais, non mais je saute un peu les étapes là. On y va, on y va. Faut que j'arrête. Ah, j'arrive. Très habile. Du silence et un feu de camp. Exactement ce que le docteur Duarte a prescrit. Mais je veux pas me reposer tout de suite. Bah non. Hein. On y va. Déjà, on va fouiller chez elle tranquillou. Super mal rangé. Ah, c'est quoi hein? Bon, pas encore. Je vais arrêter. Des poupées suspendues. Les sorcières ont vraiment des tendances bizarres. Ah, les poupées, quand on en trouvait plein. Je fabriquais des poupées comme celle-là. Quand elles sont, ouais. Ça m'étonne même pas. Il y a un trou noir dans cette racine. Un truc de végétal, ça. L'étang noir de chercheuse. Pas étonnant qu'il nomme cet endroit la bouche malade. Bah, c'est un peu dégueu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, je vais pas aussi vite que toi. Théa? Donne-moi. Vas-y, tu te spoiles tout, tu me donnes-moi. Où ma femme? Non. Ce n'est pas exactement ça. Je savais qui j'étais, c'est seulement que... J'étais perdue et je n'avais nulle part où aller. Je ne savais même pas quand aller. Ouais, c'est trop la magie. C'est que cela ait un sens. Le temps peut être piégeux pour les morts. Ce n'est jamais juste. Sa voix était... comme un phare. Une lumière dans l'obscurité qui m'a ramenée à moi-même. Ils ont commencé une conversation super profonde en 30 secondes. Un lien fort vous unit tous les deux. Qu'est-ce que je dis en dit? Où vous unira? Où vous a uni? Peut-être même les trois à la fois. Mais elle fait penser à une actrice. Ah oui, c'est complètement elle. J'ai plutôt pas son nom. Ah, le voilà, l'autre bannisseur. Bonjour. 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 Venez, asseyez-vous. Cela fait bien trop longtemps. On s'est déjà rencontrés? Bien sûr, à l'instant. Et puis, dans le futur.
dans le passé aussi. Peu importe, je suis contente de vous voir, Red McRaes. Je lui ai raconté notre histoire. J'espère que Sorcier tu m'en veux suprême pas. Dans Marvel, j'ai pas la C'est rêve. Une terrible épreuve que vous avez dû traverser. Je suis sincèrement désolée pour vous deux. Ce doit être horriblement difficile. Merci. Mais je suis heureuse de vous accueillir ici. Sorcier suprême Marvel, attends, je regarde. Parce que vous êtes les seuls à pouvoir mettre un terme à tout ça. Ils mettent Doctor Strange. Ah, pardon. Pourquoi nous avoir fait venir ici, wesh? Je vais faire d'abord... Qui êtes-vous exactement? Qui êtes-vous exactement? Et qui est chercheuse? Nous sommes des sorcières, bannisseurs. Vous ne m'apprenez rien, là. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi New Eden? Vous êtes lié à la colère du cauchemar? Le cauchemar n'éprouve aucune rancune à notre égard. Nous ne sommes que des auxiliaires, les bergères des morts, les gardiennes de l'invisible. Ah oui, je me rappelle. Oui, dans le. Oui, je me rappelle, ok. Il est facile de nous faire porter le blâme. Oui, voilà, je pensais tout à fait. Les malheurs du monde. Récupérer le corps d'Antea. Nous devons récupérer le corps d'Antea. Tilda Swinton, je vais essayer de reconnaître. À cause du brouillard. De me souvenir. Chercheuse a raison. Le brouillard est le cauchemar. Est-ce que ces terres sont maudites? Chercheuse a mentionné la bouche malade. Ces terres ont toujours été corrompues. Pas toujours. Le seuil est plus mince. Pas commun comme nom. Les rituels plus puissants. Certains les considéraient comme sacrés, d'autres craignaient leur puissance. C'est quoi, c'est scandinave peut-être ? La corruption est née quand des étrangers ont revendiqué des terres qui n'étaient pas les leurs, semant la haine sur leur passage. Ils pensaient pouvoir apprivoiser ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient stupides et aveugles. Mathilda, Tatilda, personne ne sait. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'Indiens à New Eden? Moi, on n'a vu que. Ils y sont passés. Bah, ils sont barrés, en fait. Ils ne s'y sont jamais installés. C'est trop pourri, New Eden. Les hommes et les femmes avisés savent que la région, notamment les marais bourbeux, est corrompue. Carrément. C'est pour ça que vous vous êtes installés? L'ourlet est mince et fragile ici. Et les marais abritent des esprits agités. C'est un lieu isolé et difficile à trouver. Cela fait deux excellentes raisons de rester. Ici, pour toute la... l'on peut se cacher et toute la définition du nom. Ah, ici on peut réparer l'ourlet. Donc on est vraiment en l'endroit où les morts, le monde des morts et le monde des vivants se rejoint en fait. Vous nous avez fait venir jusqu'ici. Pourquoi? J'écoutais qu'à moitié. Vous avez beaucoup de questions. Ouais. Et je n'ai que peu. C'est vrai que j'ai déjà vu Hilda. Mon dernier souffle. Désolée, j'ai pas. Pas. C'est vrai. C'est le crépuscule. Mais c'est pas son visage. L'obscurité juste inspiré. L'aube. Vous êtes mourante. Bientôt, je ne ferai qu'un avec les arbres, des racines à l'écorce. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai demandé à vous voir. Mes chers amis. La voie à suivre n'est pas encore claire, mais n'oubliez jamais que si Salut, vous voulez vaincre le cauchemar, vous devez ouvrir votre cœur. L'ouvrir l'un envers l'autre, sans aucune barrière. Votre lien doit être fort. Ok. Donc peut-être qu'en la ramenant à la vie, on peut aussi... on peut aussi fermer... fermer l'ourlet, là, je sais pas quoi... Comment peut-on le vaincre? Comment peut-on le vaincre? Est-ce qu'on peut seulement égaler son pouvoir? Vous devez vous abandonner. T'as raison, oui. Sans réserve. L'un à l'autre. Quand vous en êtes gros, faut morte, pas trahir sa promesse. Antea, ah, c'est lié à ça. C'est lié à notre lien et de quoi notre promesse. Effondré, mais certains vivent encore. Retrouvez-les. Oui, donc il y a d'autres aidez-les. Enjeux. Le cauchemar ne va pas apprécier.
Non. Après tout, vous êtes une menace pour son existence. Tu es un enfant, Maïpay. Elle pense que vous ne pouvez pas pénétrer dans son domaine. Mais elle se trompe. Il existe un moyen d'y arriver. Le vide. Un endroit épouvantable, sous l'incarné et l'invisible. Quand vous aurez appris à vous déplacer dans le vide, vous pourrez pénétrer dans l'antre du cauchemar. Mais d'abord, vous devez libérer les habitants de New Haven de son emprise. Oui, voilà, je me doutais qu'il y avait... C'était pas genre, on y va, hop, on du défausse et on s'en va. Non, je me doutais. Étaient les gens responsables de notre sort bon, ils sont pas vraiment responsables. C'est quoi ce vide? C'est quoi ce vide? S'il existe un endroit sous l'incarné et l'invisible, c'est la première fois que j'en entends parler. Oui, maintenant, vous savez. Et pour le moment, c'est tout ce que vous devez savoir. Ce n'est pas dangereux. Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Bah, ça doit l'être très vite. Ça va et ça vient. Ça s'étire et se contracte. Ça tourne dans tous les sens. C'est une chanson. Une chose est sûre, vous n'y serez pas en sécurité. Le concept de danger n'a aucun sens dans le vide. Une chose est sûre, si vous devez y entrer, vous devrez en sortir. Le vide comporte parfois une brèche. Suivez les balises, ne traînez pas et tout se passera bien. Chercheuse vous a fabriqué une clé d'harmonie. Alors ça nous aide pour la malédiction. D'ouvrir la brèche. Ne traînez pas. Le temps est capricieux. Ongle Sam, oh non. Non, pas l'ongle Sam, je veux pas en entendre parler, non. Près de la plage, quand je me noyais, vous avez envoyé chercheuse. Comment saviez-vous que je serais là? Vous demandez à une vieille sorcière comment elle sait ce qui se passe dans son propre jardin? Les rivières et les bois sont peuplés de griffes, de plumes et d'écailles alliées. Je sais toujours ce que je dois savoir. Je suppose que je n'aurai pas de meilleure réponse. C'est la meilleure de toutes celles que j'ai essayées, mes chers amis. Ah oui. Coucou, Scambag. Ok. Je veux voir ce qu'elle vend. Est-ce qu'une sorcière aurait quelque chose d'intéressant dans ses marais pour un bannisseur? Bien sûr. Et ce sera toujours le cas. Ah ouais, d'accord, on peut acheter des trucs comme ça. Putain, j'ai pas de thunes. Oh, j'ai pas de thunes. Parasite spirituel. Élimine un ennemi avec Red Restore 34 pour 35 points d'esprit, mais réduit de 25... Ouais, non. La tenue d'exileur là, vas-y, je vais exiler là, mais c'est trop cher, 800, 500, 300. Comment je sais si c'est bien par rapport à moi? Ce que j'aime moi, je peux pas comparer. Je peux pas comparer. My god. C'est déjà un 3 aussi. 13, 5, 14, 16. Si je peux ouvrir l'inventaire. Bah c'est bien mieux ce que j'ai en fait. En fait tu la dégages ta merde. J'en veux pas. Désolé. Non j'aime pas les arnaqueuses. Nous avons trouvé un... Une armure, bah elle est moins bien. Vous pourriez peut-être nous aider à le purifier. Vraiment? J'ai une idée de Switch à 250€. Et pourquoi? Sans le jeu. Eh bien, vous savez, les sorts, les malédictions, les sorcières. Je vous taquine. Vous auriez ah ouais, le passif, dû j'avoue. Votre expression. Regardez. Il mais bon, existe trop cher. Bien des façons d'enchanter un objet ou de lever une malédiction. Chercheuse pourra vous y aider. Après tout, elle aime aussi vous taquiner. Est-ce qu'une sorcière aurait quelque chose d'intéressant dans ses marais pour un bannisseur? Bien sûr. Les Joy-Con ne vont plus. C'est toujours le cas. Putain, les Joy-Con. Je les ai jamais renvoyés alors que j'ai le droit.
Il a l'air d'avoir 12 ans et 1250 ans en même temps. C'est bien foutu, en vrai. Mais elle a pas l'air d'être si vieille, en vrai. Là, par exemple, elle a l'air plus que là. Bref. Le passif. Infliger des dégâts à un ennemi au fusil augmente de 50% les dégâts de la prochaine manifestation. Mais je suis pas un gilet jaune. Je suis pas un gilet jaune, hein. Mais c'est quoi la manifestation dans ce monde? Je sais plus. Elle est censée être mourante. Oui, mais après, elle est... C'est pas comme si elle avait une existence humaine classique. Ce qui la tue, on sait pas, mais c'est peut-être un mal de... je sais pas, une malédiction, c'est peut-être des trucs, c'est peut-être sa propre magie, c'est peut-être sa propre puissance qui la tue. Enfin, ça peut être plein de trucs. Elle a pas... genre, elle a pas un cancer du poumon, tu vois. Pour être au lit, c'est bizarre. Ouais, mais c'est volontaire. C'est pour qu'elle ait l'air... pour qu'elle ait l'air hors du temps. Je pense. Oh, mais c'est mal fait, je trouve. Bah, moi, je trouve pas, non. Ça dépend de tes sensibilités, mais je trouve ça assez logique, en vrai. Hop là. Merci, Ceridian. On vous laisse. Avant de partir, dites-moi une chose. Qu'avez-vous choisi? Comment cela? Vous vous êtes fait une promesse. Qu'est-ce que c'était? Qu'avez-vous choisi? J'ai choisi de rester. Des vies contre une vie. C'est un marché coûteux. J'ai fait une promesse. Et j'en paierai le prix. Je ne juge pas le marché. Je m'inquiète de son prix. La clé d'harmonie est sur la table. Elle vous protégera dans le vide. Chercheuse attend près de l'étang pour vous accompagner. Pas mal, votre rouet. Vous vous en servez pour tisser? Bien sûr. Cette phrase, je me suis dit que j'allais pas finir le jeu. Je tisse de l'essence, Reine Macrace. Je me suis rappelé tout leur jeu. Pourquoi? Servez-vous. Moi, bon, j'avoue que oui, enfin, c'est... Enfin, ça, ça nous est dit dès la première fois où on a un choix à faire, quand même. Hein. Elle est enrouée. C'est l'harmonie qui ouvre la brèche du vide. Est-ce que ça nous fera des TP en plus? Moi, c'est surtout à ça que j'aimerais bien avoir. Ça me plairait bien, ça. Salut Fantouille de fou gamer. T'as bossé sur le jeu? Félicitations! C'est trop cool! Et du coup, tu check un petit peu les gens qui jouent? Et bah écoute, moi j'aime bien en tout cas. On en parlera quand t'auras fini si tu veux. Ok, ok, mais bon, bah j'avoue que moi, c'est normal quoi. Enfin, on va dire, vu le propos de départ, évidemment que ça risque d'aller loin. Mais en même temps, on le sait quoi, c'est quand même un jeu qui parle de mort et de sacrifice en permanence. Si jamais tu accomplis ta destinée. Enfin, ma chère vieille enfant, ma chère vieille enfant. Ma chère vieille enfant, j'aime trop. Ma chère vieille enfant, si jamais tu accomplis ta destinée, choisis de quitter New Eden. N'oublie pas qu'il y aura toujours une place pour toi dans le ventre de la lune. Yeah. En attendant, puisse ce modeste livre écrit par mes soins te rappeler que tu as de nombreuses sœurs cachées. Madre. Et oui, j'imagine que... J'imagine qu'elle a des origines bien mystérieuses. Note de chercheuse, entre les runes, il y a des notes griffonnées. De ta gauche à la maison d'Hadès, invisible le dieu des morts. Un ruisseau. L'été, le fleuve de l'oubli est à proximité. Un cyprès blanc. Oh, j'espère que je vais pas devoir en retenir. Non, mais je peux pas retenir ça. Hein. Voir une deuxième source froide, jaillit. Dis, je suis un fils de la
de la terre et du ciel étoilé, de race céleste, et vous aussi le savez. Et comptez en ce moment, à compter de ce moment, avec le Panthéon d'Éon, tu seras souverain mignon. Tu seras un souverain mignon. Moi, je préférerais être une souveraine éclectique. C'est toi qui a fait la police de la sorcière. Un petit tour des streams. On jambe à plein temps. Bah GG, tu peux être fier de ton taf. C'est trop cool, je suis flattée que tu viennes ici. Je suis très flattée. Félicitations en tout cas. Une chose est une chose quand elle est... Attends. Une chose est une chose quand elle est dénombrable. Le premier ordre est dans le dénombre. Le premier ordre est dans les nombres... Théano, non je connais pas. La fusis est faite de choses illimitées et de choses limitantes. À la fois le cosmos dans son ensemble et tout ce qu'il contient. Les choses illimitées sont innombrables. Ouais. Donc les choses sont par nature dénombrables et indénombrables. Je déteste ça. C'est un syllogisme ça, ma grande. L'image de deux cercles superposés. Le V6 et AP6. Lequel l'intersection des... Ouais, de fou. La sorcellerie. Cet art si étrange, si dangereux. Ah, si, je peux c'est sortir, sûr hein. Que le bannissement est beaucoup moins risqué. Ah, ça dépend, ça dépend, parce que... Après, ils refont des comptes, les gars, ils reviennent. Hein. Et ça, c'est chiant. Bah oui, mais toi tu râles tout le temps, ça, mais en même temps, si les devs ils devaient se baser sur ton avis, c'est pas compliqué. Vous avez peut-être du temps à perdre, mais pas moi. C'est pas vrai. Tu vis que pour moi. Tu es une PNJ. Moi je suis une héros. Madame. Alors vas-y, dis-moi des trucs. Céridiane nous a donné une clé d'harmonie. Maintenant, je sais comment tu fais ton petit tour pour disparaître. C'est pas un tour. C'est de la survie. Pour une sorcière, le monde peut être particulièrement hostile. Alors ce qu'on a vu de l'autre côté de l'île, c'était une brèche du vide. Oui. Mais n'y touchez pas. Pas celle-là, du moins. Pas encore. Il y en a une autre, un peu plus loin. Au fond d'une grotte. Utilisez celle-là pour le moment. Celle-ci est spéciale. C'est le seul moyen d'accéder à New Eden depuis la destruction du pont. On pourrait retourner à New Eden maintenant? Pourquoi vous voulez y retourner? Le cauchemar est puissant. Il contrôle New Eden. En vrai, on n'a pas le level, ça c'est vrai. Réduisez son emprise. Et peut-être que vous pourrez traverser cette brèche en vie. D'accord. On a compris. Ne perdez pas votre clé d'harmonie, si vous tenez à la vie. Ça ne devrait pas être un problème. Une fois la brèche traversée, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Avancez sans jamais vous retourner. Ah. Attends. Oula. Propos de Déborah, déjà c'est qui Déborah? Alors, qui est Déborah? Je ne connais pas de Déborah. Je ne pense pas avoir déjà connu une Déborah. Ouais, pourquoi je te pose cette question? Vu que j'ai pas suivi, je vous assure que dans ma tête, cette question, c'est littéralement... Et sinon, c'est qui, Philippe? Quel Philippe? Justement. C'est vrai. J'ai pas suivi. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je crois. Non, pas lui, pas celui qui gueule tout le temps dans les cuisines. À propos du cauchemar. Je me demandais... Ah, l'amoureuse de Kate! Qu'est-ce que tu penses du cauchemar, personnellement? Faut qu'on en sache plus, ça. Je pense que le cauchemar est l'enfant des iniquités de nos pères. Et à chaque fois, tu fais les questions à l'envers, c'est vrai. Est-ce que tu l'admires?
Je le crains. Mais j'accepte sa colère. Comme j'accepte la pluie. Et bah parce que pour moi, c'est pas le cauchemar, ça. Toi, c'est ton interprétation. Mais vu que tu veux pas finir le jeu, bah... Tu ne sais pas. À propos du vidant. Parcourir le vide ? Peux-tu nous en dire plus ? Ça me permet de sauter d'une brèche à une autre, comme me l'a appris Céridiane. Je ne le fais pas tous les jours. Je vous le déconseille, d'ailleurs. Ouais, mais je me doutais. Et pourquoi ça ? Le vide est une terra incognita. Je soupçonne Céridiane d'en savoir plus, mais elle ne m'a jamais rien dit. C'est mauvais signe. Très mauvais signe. Non, je m'en fous. Nous avons trouvé un objet maudit. Un objet ? Non, elle... Quel objet ? J'ai galéré trop pour la trouver, elle. Verrouillé, maudit, manifestement. Une malédiction peut avoir plusieurs significations. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous ? Nous l'avons trouvé dans la nature. Panacota. Nous pensons que quelqu'un y aurait lié un esprit pour se protéger. Ah, vous avez dû trouver un coffre appartenant à Firgod. C'est qui ? Pardon, qui ? Firgod Waterbury, un saint homme qui a fini ses jours en ermite il y a des années. Quand je me baladais, il m'arrivait de croiser son fantôme. Banila ! C'est un vieux fou, mais il aboie plus qu'il ne mord. Il fabriquait des coffres maudits. Merci beaucoup pour le fait Firgod de Waterbury avait un certain talent pour conserver merci des beaucoup, choses précieuses. Merci beaucoup, merci. Des choses qu'il estimait trop dangereuses. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup, c'est adorable. Hello. Salut la gang. Merci, c'est trop mignon, salut Superfab. Ça arrête en ricochet. Oui, parce que je pense que Guy s'arrête, c'est ça. Bienvenue. Salut Lodor, salut Sensei. Salut Brody. Merci beaucoup, c'est trop mignon. On est sur un jeu narratif. Donc si vous voulez pas vous spoil, je préfère le dire. Et sinon, il est cool. Alors voilà. Et on a même quelqu'un de l'équipe de développement dans le chat. Et maintenant, on a vous. C'est trop fou, cette soirée. Personne ne bouge, c'est un raid. Re-Akishon. Merci beaucoup, c'est très mignon. Attends, petit chou-tout, j'ai plus de modo. J'ai plus de modo, excusez-moi. Je manque à tous mes devoirs. Tu faisais quoi ce soir ? J'ai vu que toi, Gaël, t'as fait du house flipper. Chou-tout. Tac. Et toi, j'ai pas vu... Ah, si, bah si. Tu faisais de l'artistique, un tu étais dans la catégorie art. Allez voir cette personne fantastique. Pour réveiller les modos. Mais Fondodo, demain... Demain, il y en a une qui a deux entretiens. L'autre qui a des... qui a un papa, quoi. Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci beaucoup. Salut Léodore, merci beaucoup. Quel est ce jeu ? C'est un jeu narratif du studio Dontnod et édité par Focus. Et en gros, ça reprend... Enfin, comment expliquer un petit peu le gameplay ? C'est un jeu narratif avec un gameplay un petit peu action RPG. Éventuellement comparable à God of War. Mais en vrai, c'est comparable à plus d'autres jeux, mais j'ai pas fait God of War. C'est juste qu'on m'a dit c'est un peu comparable à God of War. Mais moi, je l'ai pas fait. Et on est un bannisseur. C'est-à-dire une personne qui est chargée de renvoyer les esprits et les fantômes dans le monde de l'au-delà. On est en 1695, voilà, pour situer l'époque en Amérique, mais du coup on fait partie des colons, enfin pas vraiment, c'est juste que nous on est en Amérique, mais on côtoie beaucoup de colons là-bas. Et le truc c'est que il s'est passé un souci, voilà, je passe pas le plus, même si ça on le sait dans la bande-annonce, mais voilà, il s'est passé quelque chose lors de notre mission une fois arrivé là-bas. Et en gros, il s'avère que notre moitié est morte et on a fait un pacte pour décider, on choisit ce pacte hein, pour décider si on ramène notre moitié à la vie ou pas. Et du coup, on va faire un peu cette aventure avec l'esprit de notre femme à côté de nous qui nous aide. On a un gameplay un gameplay parallèle avec chacun des deux personnages, une qui est dans le plan qui est dans le plan des fantômes, l'autre qui est dans le plan des humains. Et du coup, bah, on fait toute une aventure où on est dans cet endroit qui est complètement maudit et qui croule sous les esprits, sous les fantômes, etc. En essayant, nous,
déjà de se barrer d'ici et d'avoir un petit peu les réponses à ce qui se passe ici, et aussi de se venger. Voilà. Un peu comme Plactel. Plactel, il y a beaucoup d'infiltration, là il n'y en a pas. David Coutenov. Ce serait la grosse différence. Et il y a beaucoup du... Le combat est très frontal. Voilà. Donc c'est un peu dur parce qu'il prend des éléments de gameplay de plusieurs choses. Au niveau de l'histoire, c'est très narratif. L'histoire est très très importante et on a même un mode uniquement narratif si on veut juste faire l'histoire. Et sinon, il y a plusieurs modes de difficulté si on veut, un petit peu du challenge. Il est sorti par la bite. Merci les 10 crocos. Donc là, je vais continuer un petit peu l'histoire. Je vous remercie beaucoup pour le raid. C'est vraiment adorable. Ah, je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Voilà. Mais surtout, je remercie Mustel pour le raid. Merci beaucoup. C'est très mignon. Et très bonne soirée et bonne nuit à toi qui dois sûrement aller te coucher. J'ai de la custom sur Hot Wheels. Hot Wheels, j'ai jamais testé. Il est sur le Game Pass en plus, je crois. Je m'étais dit qu'un de ces quatre, il faudrait que je le teste. Parce que j'aime bien ce jeu comme ça. Je trouve que Locke, c'est avec la même voix que Gomar. J'y trouve pas, mais je pense qu'on a des... Enfin, oui, on a des voix proches. La même voix, je pense pas. Mais je pense qu'on a possiblement des voix proches. Mais je crois que je monte encore plus dans les aigus qu'elle. Mais en vrai, moi, je suis plutôt forte pour imiter Guile, en général. C'est plus ça, mon truc, en fait. Il est sorti par la voilà. C'est un peu ça, mon talent. Soyez beau, soyez slibo. Alors. C'est des vrais custom Hot Wheels. Ah d'accord, pardon. Oh, repeinte et tout. Ah oui, trop bien. Oh, ça c'est trop bien. Faudrait que j'aille voir. Incroyable. Moi je me fais parfois passer pour lui. Voilà, quand je suis hors cam, c'est foutu quoi. Bon. Mais oui, voilà, Vampire, on m'en avait parlé aussi et je connais pas. Le jeu a l'air cool. Il est assez cool, ouais, vraiment. Enfin, en tout cas, il est assez intéressant à suivre. Et il y a. Faut savoir que c'est un jeu avec des choix moraux qui ont des conséquences. Il y a plusieurs chemins que peut prendre votre partie. Il y a aussi un serment à tenir, ou pas, on peut ne pas le tenir aussi, mais ça aura aussi des conséquences. On sait pas du tout lesquelles, hein, je vous dis ça, je sais pas du tout lesquelles. Et du coup, bah, chaque progression dans le jeu, surtout dans la quête principale, mais même dans les petites quêtes secondaires, a un impact sur le dénouement et sur sur déjà notre morale, sur notre relation avec notre moitié, mais sur aussi bah, les conséquences qu'on... Enfin, tout ce qu'on fait nous, ça peut avoir des grosses conséquences sur la suite. Même si je suis encore au début du jeu, là, je suis peut-être à... Enfin, je saurais pas dire à combien je suis, mais je suis à 10% de la map, déjà, donc... Même si dans la quête principale, je suis peut-être pas à 10%, mais en tout cas, j'ai encore plein de choses à voir. Donc, voilà. Et là, je suis avec une sorcière. Il y en a beaucoup d'autres ? Je ne lui ai pas demandé, et il ne me l'a pas dit. Je sais qu'il y en a plusieurs, probablement beaucoup. Il avait l'habitude de récupérer des breloques qu'il conservait précieusement. Tu es égal quand tu n'utilises pas la goïque, c'est pour traquer ta voix. Effectivement, il se file. Chose à New attirait ses habitants vers l'occulte. Il n'avait pas tort. Phoebe, elle est well. Et comment on l'ouvre ? Tout à fait. Pourquoi vous voulez l'ouvrir ? C'est de la démonologie et ce n'est pas du tout mon domaine. Même si ce vieux Firgod n'était pas le pire de tous. Mais d'après ses dires... Moi, j'aime bien être démonologue. J'aime bien le nom. L'homme, pas le fantôme. Conserver un rituel de libération dans son bréviaire. Libérer les démons, mais de fou. Non, mais je sais où il est. En vrai, il y a plein de fantômes. Tu libères les démons, ils bouffent les fantômes. Vie isolée dans les bois sombres. Aller au nord-est du camp des chasseurs. Puis tu libères des prédateurs pour tuer les démons. Prenez en direction du sud. Sa cabane se trouve dans une clairière. J'ai pas lu. Comme tu as tendance à oublier certaines choses, je vais écrire tout ça pour toi. Et voilà, il est intégralement doublé. Ce qui est très agréable et très bien doublé, hein, franchement. Je sais pas la qualité de la version de la VO. Oui. Mais la VF, j'aime c'est très beaucoup bien. Nos petites discussions à travers l'ourlet. Bon, si je comprends. C'est toi, l'ourlet. On cherche un bréviaire appartenant à un démonologue. C'est quoi un bréviaire ? Chercheuse à rencontrer. C'est un livre. Après sa mort. Et tout ça dans le but d'apprendre à purifier des esprits malveillants liés à des objets maudits.
Rappelle-toi de l'enseignement de Balthazar H. Frenhofer. Efficace, versatile, adaptable. Faut que je pénètre dans le vide ? Yes ! On va aller dans le bouquin de Marlène Schiappa ! C'est où par contre ? J'ai pas fait gaffe. C'est la grotte de Schiappa. Ah, c'est ici. Let's go. Y a qu'un moyen de le savoir. Reprendre le gameplay de vampire. Ok, d'accord. Bah, je les ai pas fait. Donc, c'est vrai que j'ai pas la ref. Cyridéan a préparé tous les ingrédients qu'il vous faudra pour le rituel. Prenez-les et la prochaine fois, récupérez-les vous-même. Elle m'adore. Tu le rituel. Faudra que je choisisse. Voyage dans le vide. Ça, je sais, ça. Non, c'est pas la bonne musique. C'est un couple qui chasse des monstres et des fantômes. C'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y aura peut-être... oui. Les origines de... les origines écossaises du personnage seront peut-être un petit peu plus obvious en VO, ouais. Bon sang, mais où sommes-nous ? Souviens-toi de ce qu'on nous a dit. Suivre les balises, ne pas traîner et ne jamais se retourner. Mais c'est trop cool! Et si je me retourne? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, le vide? Il va se remplir? Il y a plein de jeux de mots qui me viennent. Mais il y a plein de gens sur mon stream, alors je vais me taire. Mais je vais juste dire... parce que j'ai ce sample quand même. L'accent écossais en VF, bah déjà on reconnaîtrait pas que c'est un accent écossais. On penserait que c'est un accent anglo-saxon. Et du coup ça aurait donné un côté précieux qui n'est pas, qui n'est pas le but. Parce que moi je te garantis que je saurais pas reconnaître un accent écossais. Cet endroit a l'air stérile. Sans vie. C'est le royaume des morts. Je vais faire tout ce sujet avec les enfers. Alors, mais non, c'est pas si mal. Franchement en vrai... au moins, ça doit être silencieux ici. Hein ? C'est ma femme ? Ah non. J'ai un flingue ! Oui. J'ai buté le vide ! Tiens ! Va moins rigoler. Ça, moi je te le dis, moi. Non, je me casse. Tournez dans le vide, vide. Attendez, je vais... là, taper. C'est notre bon de sortie. Ah ouais. Te voilà. Antea. Ah, mais je croyais que c'était à moi qui parlait depuis le début, mais en fait, il parle à ma femme. J'ai déjà entendu cette voix il y a longtemps. J'ai banni son propriétaire. Antea, qu'est-ce que ça veut dire ? Banni le proprio. Qu'il faut qu'on parte maintenant. Ah, c'est là où il y a des esprits bannis. Le vide, c'est là où il y a les esprits bannis. En fait, ils vont pas vraiment au même endroit, je suis sûre. Je viens de comprendre. On sait que tu as un sample. C'est vrai. C'est vrai, mais je fais toujours des rappels importants. C'est là qu'est basé l'essentiel de mon humour et du charisme de ma chaîne. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle abomination ? Mes alertes et mes samples. On dirait une affliction utilisée comme un cerbère. C'est toi l'affliction. J'ai jamais vu ça. Dans le vide, les ennemis peuvent régénérer leurs points de vie. Les pouvoirs d'Antea sont également accrus et elle infligera plus de dégâts au spectre. D'accord, mais ça c'est pas un spectre, c'est une tornade de cailloux. Let's go ! Tiens ! Attendez, faut que je me change. Je fais tic 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 tic. Elle fait rien du tout ! Mytho ! Nickel. Like a glove. Attendez, je vais enlever la reverb. Faut que je tape ça alors. Je boxe tes racines, j'ai l'impression de vraiment avoir un combat. Je sais pas, j'ai l'impression de m'exciter sur un truc qui n'est pas utile. Genre ton PC il répond pas, tu tapes dessus quoi. Tiens.
Ah ouais, non mais d'accord, je... Ah oh bah ça répond plutôt bien ça aussi. Mais il est immense celui-ci. J'ai trop bien visé. Mais je suis à la manette au-dessus parce que j'ai envie. Mais je joue pas normalement... On a des jeux où il faut viser à la manette, mais pendant toute la première partie du jeu, enfin pendant toute une partie, y a pas d'armes encore, alors je savais pas. Je vais décéder. Encore. Okay. Allez, sur Supi. Oh non, ils sont trop loin. Ah, ça va. En fait, il fait plus mal, hein. Pendant t'es à son accru, mais en fait, pas beaucoup, quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On tire dessus? Tiens, je tue la tornade! Défonce le vent! Et bim! Charde du vide. Sors cette horreur. J'en sais rien, mais il faut qu'on parte d'ici. Attends, il y a un truc à faire là. Qu'est-ce que tu vas faire? Faut que je me casse. Ok. Bah les fantômes, ça, en fait ça dépend. J'ai remarqué que pour certains trucs elle était forte. Et pour d'autres c'est lui qu'il faut utiliser. Sauf que là je me disais en toute logique, bah c'est que elle qu'il faut que j'utilise. Bah non, pas du tout, donc ouais. Après peut-être qu'aussi, là je viens d'augmenter le flingue et un autre truc. Peut-être que ça a pas mal fait la diff. Parce que les équipements ont augmenté aussi. C'était quoi ça? Vous avez appris le rituel du voyage dans le vide. Le était censé nous permettre bien, de passer inaperçu. Les brèches du vide que vous avez découvertes sont indiquées sur votre carte. Les brèches du vide recèlent de danger, mais referment également de précieuses récompenses telles que de nouveaux équipements. Tic tac tout, que let's go les équipements. Mais du coup, voilà, pour ceux qui veulent voir, c'est ainsi qu'à la map. Moi j'ai fait que le centre de la map. Je suis en ligne droite, moi. Je fais pas les détours. Non, mais c'est surtout qu'il fallait que j'avance, fallait que je découvre des trucs, parce que à chaque fois que je découvrais... Voilà, j'avais plein de trucs verrouillés sur la map que je pouvais pas faire parce que j'avais pas encore déverrouillé certains trucs. Alors, j'ai avancé. C'est plutôt grand, ouais. Salut, Kun. La femme est forte contre les possédés, c'est vrai. Mais même ça, la différence est pas énorme. Et le cas contre les spectres. Merci beaucoup Zensei, c'est gentil. Merci pour ton message, des bisous, bonne nuit. Merci, merci à ceux qui sont restés après le raid, c'est fort gentil, surtout à cette heure-là. Merci beaucoup. Atteindre le pont. Et du coup, New Eden, c'est là où on a eu notre mission qui a mal tourné. Et voilà, je peux passer de l'un à l'autre. Ils vont tous les deux avoir des capacités différentes. Et bon, bah lui, c'est du classique combat à l'épée et au flingue. Et elle, elle a... Elle permet de révéler certains trucs et d'utiliser des... D'utiliser une sorte de magie. En gros. Ah! Let's go! Il fait le même temps que chez moi. Bisous Léodore, bonne nuit! Merci beaucoup. Est-ce que tu vas bien? C'est gentil, Zensei. Ça va aller. Mais ce cauchemar là, on ne sait presque rien à son sujet. Et ça m'inquiète. Pas concentré, attendez. Oui, le cauchemar, c'est le... Et pour toi? Quelle que soit la c'est raison. C'est le type. Le cauchemar est ici à cause de ce que ces hommes et ces femmes ont fait. D'esprit qui a maudit toute la région. De leur culpabilité. C'est à cause d'eux si je suis morte. Maudits soient ces gens.
Maudits soient leurs secrets et leurs péchés. Le jeu est cool, en tout cas. Je suis à une douzaine d'heures, je dirais. Ces brèches sont-elles vraiment sûres ? 13. Nous étions protégés. Douzaine, on va dire. Et tu as entendu les murmures. Et c'est cool pour le moment. Et cette voix, elle t'appelait. Quelque chose t'a vu, et sait que tu es ici. J'y ai pensé. L'espace d'un instant, j'ai pensé à eux. Ces pauvres garçons, massacrés. Je jure avoir entendu leurs cris dans le vide. Des gamins, envoyés à la mort pour la fierté de leur sultan. C'était comme si j'étais de retour dans les Balkans. Il a été soldat. Ces fantômes ne sont plus là. Tu as demandé leur ascension et je leur ai donné. Ils ne sont pas dans le vide. Je sais. Ce vide, c'est l'enfer. Pas tous les blâmer. Comme dans les Écritures. Les Écritures? Quelles Écritures? C'est juste que... Et si tous les enseignements de ma jeunesse se trompaient? Et si ce qu'on a vu, c'est ce qui m'attend pour mes péchés? Je suis devenu bannisseur pour aider les vivants, en mettant un terme à la souffrance des fantômes errants. Mais c'est tout le contraire. On les condamne à une éternité de souffrance. Merci. On les maudit. Rodrigue, tu es le bannisseur le plus gentil et le plus empathique que je connaisse. Oh, c'est écrit. Ne laisse pas un vieux dieu te faire croire le contraire. C'était écrit d'une manière que j'avais jamais lue. Ce vide n'est pas l'œuvre d'un dieu. Et si elle revenait? Et si les âmes que j'ai blâmées revenaient me chercher? Elles en auraient le droit. L'esprit des vivants est consumé pendant le rituel. Ces âmes ne reviendront pas. Tout ira bien. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. Oui. Tout bah oui, bien. Il reste le diminutif. D'accord. Oui, bah je me doute, ça me... Excuse-moi de pas lire le gaélique souvent, c'est genre le lul qui sert à rien, quoi. C'est écrit en gaélique, en fait. Logique, quoi. Super. Chercheuse, ne montez pas au sujet du pont détruit. Ah ouais, d'accord. Par où? Par les montagnes du nord ou par les plaines du sud? Choisissons une direction et voyons où cela nous mène. Ouais, un truc qui fait de la musique. Un truc qui fait de la musique. Ça, c'est un campement. Ça, c'est un... C'est un... Ça fera l'affaire. Oui, un campement. Mais j'ai besoin de faire une pause. Un point de TP et un endroit aussi pour régénérer ses popos et pour s'équiper et tout et tout. Tu lis pas le gaélique là, tout ça, je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Eh, ma page Wikipédia a dû se tromper. Je sais pas lire les runes en fait. Non. I don't read the runes. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? J'avais déjà repéré un truc que j'aimais bien, je crois que c'était par là. Passer dans TA juste après une parade pour déclencher. Non, pas la parade. La parade, c'est chiant. Tir au fusil réussi, recharge la jauge de bannissement de 15%. Les tirs au fusil sur les points faibles, recharge la jauge de bannissement de 30%. Réduit de 50% des dégâts des tirs de fusil sur les points faibles. Ah non! Alors ça, non! J'arrive pas du tout à voir. Non, bah non. Mais non, réduit de 50% des dégâts. Non! Non, non, non. Ah, le changement parfait, je crois que ça j'aime bien. Ouais, je l'essaye souvent de le faire. Ok, ça c'est good. On a mis des points. Repos, c'est bon. Évolution, c'est bon. Inventaire, j'ai rien à équiper. Let's go. Bon allez, faut que je me concentre. Je sais même pas ce qu'il faut que je fasse là tout de suite, immédiatement. Choisir un chemin, c'est ça? Choisir un chemin. Les R sous le fort Jéricho. On va regarder vers où c'est sur la map.
Ok. Et R sous le fort. Merci Fantouille d'être venu, c'est cool. Un peu sur Banish, ouais. Je Banish un max là. Merci. Bonne nuit. Et bonne nuit à celles et ceux qui vont dodo. Et merci beaucoup d'être venu. Ouais, bah j'ai décidé ce par là. Déjà on va faire le petit point d'interrogation. Mais en fait je pense coucou. Que je suis toujours Keblo. Coucou, c'est qui? C'est Vendels. Le cauchemar peut prendre tellement de forme. Je pense que j'ai pas encore. Il y a encore plein de trucs que je peux pas. Avec lesquels je peux pas interagir. Tout. Oui. On finit toujours par se demander si ça a été causé par la nature ou par le fantôme. Ça a été causé par la nature du fantôme. Oh non, il y a des bruits d'haleine. Attention. Lui, par exemple. Possession spectrale. Je défonce. Par exemple. Je démonte. Y'a qui? Y'a qui? Attention. Par exemple. Je démonte. Allez, dégage. Eux, c'est que des spectres, donc c'est easy. Par contre, quand ils possèdent un truc. Là, ça devient plus relou. Mais là, dans ces cas-là, de toute façon, c'est des sacs à PV, peu importe avec qui je joue. C'est juste que par contre, ça le pouvoir d'Antea est bien. Très inventif comme nom. Ça sonne bien. Non, pas des bruits de Woody. Alors attendez, il y avait un point d'interrogation ici. Moi, je peux faire ça. Les doigts dans le nez. Mais les bonnes manières, alors. C'est bien ça. Oh, il y a un truc comme ça. Oh, ça va être trop dur pour moi. Est-ce que je le tente? Je vais le tenter, mais je crois que ça va être trop dur pour moi. Il va falloir purger ce nid de spectres. Ok, c'est des spectres. Du coup, c'est ça les spectres. Fantôme ou spectre apparaître. Ok, ça devrait être bon. Révélez-vous. J'attends ton signal. Oui. Terminé. Il est pas mort. Ils ont l'air énervés. Il faut que je l'achève. C'est quoi qui explose encore? Les loups, ils explosent pas normalement. C'est pas un truc de loup, ça, c'est un truc de autre chose. C'est quoi au-dessus là? C'est quoi les loups? Ils ont amené des amis. Mais pourquoi il y a des traces rouges partout? C'est dangereux. Voilà, eux normalement, si je fais en TA. Ah, c'est pas mal. Hein. Là, quand même, c'est bien. Est-ce qu'on en a oublié? Mais c'est chiant, ça explose de partout et je sais pas comment éviter ça et je m'en prends plein la gueule! Merde! Ok. Ok, lui il est chiant. Lui il a beaucoup de vie. Lui il est protégé. Ok. Tourmenteur alpha. Il va être chaud lui. Mais je peux ça pas. Commence à être compliqué. Je peux pas m'attaquer à lui, il a un shield. Je suis prête quand tu veux. Non. Attends. Ok, je vais tenter.
Non, ça sert à rien. Esquive ! Laisse-moi t'aider. Que dalle ! Ah non, pas lui ! Lui. Tiens, goûte-moi ça. Oh, il est trop rapide. Ok, on va attendre. Non, il est encore esquivé. Crève, enfoiré. C'est quoi qui m'explose constamment au visage? Ouais, mes attributs sont plus gros. Plus 1 à tous les attributs. Ok. Mais là, ça continue d'exploser. Hein. Je peux aller loot. J'y vais. J'ai pas peur. C'est quoi cette race au sol? Je comprends pas. Y'a un Lucio ici? Je comprends pas. C'est qui explose? Mais c'est quoi qui est au sol surtout? Et pourquoi eux ils explosent alors que d'habitude ils explosent pas? Je comprends pas. Mords-lui l'œil. Chaud. On a un dégueu. C'est écrit, oui, non, mais les gars, en fait, quand on se bat dans un jeu, généralement on lit pas une disserte à côté. Évidemment que je le lis pas. C'est surtout qu'ils sont beaucoup de PV, qui m'explosent à la tronche et qui sont nombreux. Je sais, quand on a un chat Twitch, on est en mode non, mais en fait, c'est obvious. J'ai la manette. Du coup, ça sert à rien de dire c'était écrit en gros dessus. Mais c'est surtout que les zones rouges, ça me dit toujours pas ce que c'est. Du coup. Oh non! Oh, il a pris cher. Ah oui, parce que j'avais mon compteur de bannissement là. Compteur de ban, c'était max. C'était au max. Ah, mais c'est vrai que je peux charger aussi. Je le fais jamais. Pas dû au pouvoir dentaire. Bah, je vois pas. Ou... je sais pas, ça a apparu à des endroits où je sais pas. Attendez, c'est pas là-bas que je vais aller. Ah, celle qui est restée, c'était un bug. D'accord. Du coup, c'est là que je dois aller en fait. Bah, j'y vais. C'est bien celui-là, hein. Non, c'est celui à 98. Je vais là, de toute façon. Ok, bon. Apparemment, c'était de votre avis un bug, d'accord. Parce que je me suis dit, maman, s'il y a peut-être un truc à faire, c'est peut-être encore maudit, enfin voilà. Ne sachant pas, vu qu'on est quand même sur une nouvelle étape. Ouais, je peux aller des deux côtés. C'est juste que je voulais m'assurer de suivre toujours le même et pas de commencer à suivre l'autre, sinon bah jamais je vais d'un côté. Enfin, sinon voilà, je vais toujours me tromper. Mais c'est vrai que ça. On passera pas par là. Ce pays a définitivement besoin de meilleurs ponts. Ah, encore ? Oh non, Anthea, tu peux pas faire un saut ? Oh non, on va faire des tours encore ! Bah, je vais passer. En fait, j'ai pas le choix en fait, du coup, c'est ça, c'est pas un vrai choix. Ah bah si, c'était là. Ah ! Mais j'étais bien alors. Non mais j'étais bien. Non mais en fait, je devais passer par le pont à la base.
Je savais pas que le pont était cassé. C'est moi sur ma map, je vois un pont et je n'ai pas fait gaffe aux détails s'il y avait des trous ou pas. Donc je me suis dit, bah, je vais passer par le pont. J'allais juste au pont, c'est tout. Interrogation du nord. Non, mais non, ça fait pas des points gratos parce qu'à tous les coups, ça va être un truc à faire où je pourrais pas le faire. Parce qu'elle m'a toujours pas dit comment gérer les malédictions. Non, pas du tout. Bah, c'est du spoil du coup. Ne me spoil pas, s'il te plaît. Tu vas en cacher pas sur le chemin du nord ou du sud, tu peux te prendre les deux. Okay. Je sais pas. Je pense que je peux tout le temps prendre les deux s'il y a un chemin. Un débarcadère souterrain. Intéressant. Let's go! Je veux dire, il n'y a pas de. Vu que je peux me TP de toute façon, je pourrais très bien me re-TP vers au milieu et puis aller vers le nord un moment. J'imagine. Les chemins de Schrödinger. Le point d'interrogation de la map. Mais il y a plein de points d'interrogation sur la map, sauf que j'en ai marre des points d'interrogation où on me dit « Ah bah faudra qu'on demande à chercheuse !» Appelle-moi de jamais t'énerver. Du coup là j'avance un peu l'histoire. Vous pouvez bien débarquer ici dans le temps. Des marchandises illégales sans doute. Empêche ce spectre d'atteindre le cadavre. Bah, il a déjà atteint, je crois. Oh, il me saoule l'autre. Voilà les renforts. Non mais en fait ce que je disais Sam c'est que je vais volontairement pas au point d'interrogation parce que je vais avancer un petit peu dans l'histoire parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, je peux rien y faire. Ça ne change pas ma réponse. Ouais mais j'ai parlé à la chercheuse mais elle m'a parlé des points de téléportation donc je ne sais pas si j'ai assez avancé. Je vais avancer un peu plus quand même. J'ai pas envie de passer mon temps à faire des allers-retours pour qu'au final je puisse pas faire les choses. Je sais. Du coup, je vais pouvoir remplacer ma popo de soin ? Faudrait que je check ça. Parce qu'elle est vraiment pas ouf, ma popo. Plusieurs niveaux de difficulté, ouais, il y en a 4. Il y a le mode histoire seulement. Il y a le mode facile. Non, pas facile. Je crois que c'est normal après. Il y a histoire, il y a normal. Et il y a difficile, très difficile. Je crois que c'est ça. Là, moi, je suis en mode normal. Compagnie des 100 associés. Je parie que c'était une nouvelle société commerciale française, avant qu'on ne vienne au monde. La grotte est abandonnée depuis un moment, alors. Ouais. Probablement le repère de contrebandiers français. Let's go! Let's go! L'alcool de la France! Et voilà, merci Catholic. C'est ça. Non, y a pas facile en petite féline. Ah, mais j'ai toujours pas découvert là. Hein? Bon, j'ai un truc à faire. J'entends encore murmurer, ça fait...
Ah oui, un truc là-haut. Ah mais punaise, ça va être galère. OMG. Par où je suis? Tout simplement par là. En fait, vas-y. En fait, c'est vas-y. Ah, j'aime pas entendre la laine. Oui, c'est ça, facile, c'est mode histoire, ouais, tout à fait. Je sais pas à quel point, du coup, on a de l'explo et tout, je m'en rends pas compte. Mode histoire, j'imagine qu'on a surtout la narration, mais je sais pas du coup... Je sais pas comment ça se passe. Je serais assez curieuse. Non, non, y a pas 5 niveaux, Phil. Y en avait que 4. Bon, enfin, facile et histoire, c'est la même chose. Alors... Je crois qu'il y a plus de liberté d'exploration. Non, non, justement, forcément moins, mais je sais pas à quel point tu en as ou pas. La zone sur une trade est limitée. Bah, t'as quand même. Y a quand même de l'explo, hein. C'est pas non plus. C'est pas non plus la ligne droite. Je m'attendais à ce que ce soit plus ligne droite, ça m'aurait pas dérangé, franchement. Et ça l'est pas tant que ça. Mais du coup, comment je sors? Comment j'avance? Si, si, je me rends pas trop compte. Je peux pas prendre là-bas. Je peux pas aller dans l'eau. The open world, ça me saoule. Bah, disons que moi, c'est pas tant. C'est pas un souci, les open world, mais c'est que. Pour une histoire, pour une... Ouais voilà, une histoire comme ça, bah j'aime bien avoir plus un gameplay plus couloir. Comme ça, je peux juste me concentrer sur le fait de suivre l'histoire et ça j'aime bien. Ah oui voilà, d'accord, ça doit être là. Ah ouais, ok, j'avais pas vu. Beaucoup trop loin. Ah non. Trop tôt. Tu peux pas t'en écarter pour des chemins alternatifs. Bah c'est que t'as plusieurs chemins tout simplement. Dans l'exploration elle est pas linéaire quoi. Enfin sinon il y aura pas plein de points d'interrogation partout. Bah les fragments d'âme je pense que c'est pour améliorer un truc mais j'ai pas fait gaffe. Faudrait que je regarde. Du coup, je suis sortie de la grotte. Bah ouais, j'ai repoussé le chemin, fait chier. Sauf que bah, je sais pas par où passer en fait. Bah ouais, ouais, si, mais bon, je suis kéblo. Je vais retourner évidemment. J'ai dû louper un que tout. Explorer la grotte. Bah, je... Ok. Ouais, faut fouiller la zone, mais je sais pas. Je sais pas. J'ai loupé un truc.
Ah mais oui, mais du coup ça s'est descendu. J'avais oublié. Vu que je me suis battue après, bah j'avais oublié que j'avais fait ça. Tout simplement. J'avais oublié. GG, merci. GG, tu n'es plus perdu. Oh oui, on va aller un peu dans le sud. Bougie des rivages. Et du lin, ok. Le lin, on n'a pas trop... Si, on a dû en avoir, mais je peux faire gaffe. C'est vrai que ça manque d'une petite musique quand on me montre. Non, non, il n'y a que les hurlements des âmes en peine. Hello, tacos frites jambon. Pas, mais l'île de Cyridiane est un endroit agréable. Mieux vaut que ça reste ainsi. Ah, pour le bien c'est de tous. Sympa, ça. Petit point de vue cool. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci pour le follow, c'est gentil. Les ânes en peine, c'est toi en peine. C'est vrai, en vrai, Catholise, j'ai choisi volontairement le coin du sud pour qu'on ait un peu... en me disant, bah voilà, si c'est un peu... Si c'est un peu dans les archétypes de décor qu'on connaît, le nord, il y aura les montagnes, le sud, il y aura le soleil. Et du coup, bah, j'ai choisi vraiment le sud pour ça, oui. Tu sais, je suis au mois de février en Belgique, hein, je... C'est pas fini. J'en ai besoin. Non, en vrai, il fait pas froid, juste il fait pas très beau, quoi. Non, je vais tomber. Ah, ça va. Ah, donc ça, faut que j'utilise mon frère. Tu crois faire le poids face à un fantôme? Oh, je rate tout parce que je suis nulle. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça va m'exploser la tronche. Vite, faut que j'en aille. C'est bien le petit shield. Arrête de me montrer du doigt, en fait. Ce cadavre s'apprête à tirer. Ce cadavre s'apprête à tirer. Ça paraît pas très impressionnant dit comme ça. Concrétion de blême. Concrétion blême. L'influence du cauchemar est forte. Merci d'avoir répondu, Sam. Soyons prudents. On peut toujours traverser, même sans le pont. Bon courage pour ton dodo. Bon courage. Insiste un peu. Mais en même temps, ben... Voilà. Même si nous sachons. Des bisous. Merci. Te pointe du doigt. Ça m'aurait pas plu. Bah surtout qu'il l'a fait en boucle. En fait, il espérait vraiment que je vois qu'il me pointe du doigt. Et ça, tu vois, j'aime. Ah, moi, ça m'a fait. Le paysage est plus agréable ici. Où? Entre les champs, les pâturages. Bah oui, je m'en doutais. Plus clément. Je me suis dit qu'il allait t'emmener ici. Oh, là-haut, il y a quoi? Il y a un loup. Je peux pas vraiment le sentir, mais je sais qu'il est là. En me concentrant, je peux encore voir la beauté du monde. Je pensais qu'on pourrait avoir. Let's go, la beauté du monde. Dans un endroit chaud. Apparemment, c'est une erreur. Fie-toi de l'instinct, jeune apprenti, car il te sera bien utile. Tu peux monter ici? Oui, je peux. Bon! Et ben là, ça sent le boss un peu, le rituel, le truc là. Allez, on fait. Toi aussi, tu sens la présence d'une grosse bête. On... Faisons-la apparaître. Vraiment? J'ai peut-être pas ce qu'il faut là.
Bon, allez, vas-y, fume des gènes. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Bah oui, c'est des nouvelles sources de... C'est des nouvelles ressources qu'il faut pour faire les rituels. Non, mais on va se trouver un TP, vous savez quoi. Par contre, là, il y a du truc à looter, en fait. En fait, je t'ai vu. En fait, pas du tout, c'est une bougie. Tout le monde va dodo alors que je viens de me réveiller. Oui. Bah, ça doit arriver souvent sur les lives de... Quand tu vas sur des lives à cette heure-là. Papa Dawan, tu es donc du côté obscur. Mais nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas dans ce même... Dans ce même système de référence, catholique. Je suis prêt pour cible. Je suis pris pour cible, bah oui. Qui d'autre, mec, en fait? Qui d'autre? Pourquoi j'ai l'impression qu'on est des cibles faciles? Parce qu'il y a que toi déjà. Tiens, goûte-moi ça. Ah. Ok. On fait un peu le tour du monde là. Entre Catholise au Québec et Tacos Frites à Bangkok, effectivement. Il y a un lieu de repos, il y a un lieu de repos. Ah, stop, j'entends. Je peux aller où? Il y a un lieu de repos. Là. Je le marque. Parce que les... Au niveau des chemins, c'est pas simple de savoir. Quand je regarde un peu au loin, de savoir ce qui va être un décor ou ce qui va être du vrai chemin. Et surtout de savoir si je vais pas rebrousser chemin en y allant. Je sais pas si devant... Mais je savais pas. Je n'arrive plus à me manifester. Ça va pas être pratique. Vous avez pénétré dans une zone affectée par un chasse fantôme qui empêche la manifestation de fantômes. Tant que vous êtes à proximité, il vous est impossible de passer à Antea pour utiliser ses compétences. Trouvez et détruisez ce chasse fantôme pour retrouver Antea. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est marrant comme principe. C'est ça? Tiens! Je suis encore gênée. Il doit y avoir un autre chasse fantôme. Ok, d'accord. Un chasse fantôme me bloque. Peut-être ici. Peut-être devant l'en... Peut-être devant. Ah mais oui, non. En fait non. En fait pas du tout. Non, impossible. Allez, manifeste-toi. Bah il peut être où? Ah, je vois de la lumière là-haut, ok, d'accord. Je l'ai vu. C'est mieux. Merci. Ces chasses fantômes ont l'air assez récents. Une sorcière, tu crois? Je ne vois pas l'œuvre de chercheuse ou de Cyridiane. Soyons prudents, Red. Voilà. Mais ouais, j'avais pas fait gaffe, l'entrée, bah, elle était cachée au-dessus.
Alors, j'ai pas... J'ai pas chopé une meilleure popo. Niveau 3. 55-110. Ah ouais, non, bah non. Tirer sur un point faible au fusil restaure 7 points de vie. Ok. Réduit 5% des dégâts subis par raid. Ah non, ça c'est mieux. Bon. Je connais pas. Je connais pas Dead of Reprobate. Je connais pas du tout. Ouais, ça donne... Ouais, non, c'est... Bah, elle est pourrie. Ok, dommage, j'espérais vraiment, parce que ma popo, elle commence vraiment à être légère. Et pourtant, elle est niveau 3, je m'en rappelle même pas. Repos. Coucou Gamepad. Pendant des années, Caitlin Smith a cru ne pas être à la hauteur de sa sœur. Caitlin Smith, c'est la chef d'un groupe de chasseurs maintenant, et on a tué sa sœur. Elle sait qu'en termes de gentillesse, elle est au moins l'égale de sa sœur. Podure on a l'a banni pour ses péchés. Enfin, on l'a blâmé. Mais sa sœur, que va faire Kate maintenant? Son peuple veille sur elle. Pour leur avenir, leur protection, leur survie. Ok. Ça me sert à rien. Comment ça, ça ne sert à rien? Bon, c'est vrai que ça n'avance, ça nous a pas beaucoup fait avancer. Et moi, je vais arrêter la VOD ici. Des bisous, la VOD, elle est beaucoup trop longue, mais bon, j'ai pas fait attention. Des bisous. Banishers, tout ça, pour le moment, j'aime beaucoup.